Facile. Voilà. Bonjour à tous, il est 14h, nous allons pouvoir reprendre les travaux. Donc nous allons débuter cette séance de cet après-midi consacrée au signalement des collections iconographiques par une discussion, un échange avec Corinne Le Bitouzé que je vais présenter dans un instant. Je tenais tout d'abord effectivement à faire le lien avec l'intervention ce matin de Michel Melot, qui a éclairé effectivement les différentes problématiques pour vous montrer effectivement l'ouvrage de référence qu'il a mentionné ce matin, Images et bibliothèques sous la direction de Claude Collard et Michel Melot. On va beaucoup l'utiliser, cet ouvrage, puisqu'on s'y est employé effectivement à en faire un ouvrage de référence pour la journée d'aujourd'hui. Alors, dans cet ouvrage, Michel Melot indique que les images posent problème aux bibliothèques, qu'elles se plient mal aux règles de catalogage conçues pour les livres, qu'elles défient l'indexation car elles ne peuvent pas être réduites à des mots. Ça fait écho effectivement à l'intervention de ce matin. Il est même question d'un retard pris par les bibliothèques en matière effectivement de catalogage, de signalement. Alors ce matin, on a commencé à distinguer des logiques effectivement de classement, des logiques de traitement, des logiques de catalogage, de signalement, de numérisation. Vous allez le voir que ça va être au cœur en fait, de nos discussions cet après-midi. Donc, l'intervention de Corinne sera suivie par une table ronde en lien effectivement avec vous pour dialoguer en fait, sur ce constat fait par Michel Melot dans Images et bibliothèques d'un retard en termes de catalogage, sachant que le signalement des collections, comme l'a signalé ce matin Jérôme Belmont, est une des priorités du plan d'action pour le patrimoine écrit, et on voudrait dire écrit et graphique. Donc, je vais tout d'abord effectivement présenter Corinne, qui est archiviste paléographe, qui est conservateur général des bibliothèques, aujourd'hui adjointe au directeur du département des estampes et de la photographie à la BNF, et chargée des collections d'estampes du XVIIIe siècle. Affectée au bureau du patrimoine, de la direction du livre et de la lecture de 1986 à 1989, elle a été adjointe du directeur technique de la Bibliothèque nationale de 1989 à 1992, avant d'être responsable de la conservation au département des estampes et de la photographie de 1992 à 2009. Et elle a signé dans ce même ouvrage un très bon chapitre en fait, sur la conservation et le traitement des collections, que je vous encourage vraiment à lire avec beaucoup d'attention, avec à la fin de ce chapitre une contribution importante sur comment bien conserver ces collections iconographiques. Mais je vais tout de suite entamer la discussion avec une première question qui va revenir sur ce que je viens de dire. Y a-t-il un retard accumulé par les bibliothèques en termes de traitement des collections iconographiques ? Merci. Alors, je ne m'aventurerai pas à parler de ce que vous faites dans vos bibliothèques. Je peux vous dire qu'au département des estampes et de la photographie, nous avons un retard de catalogage, un retard qui se chiffre en millions d'images. Alors peut-être avant de commencer, quelques mots justement sur le département des estampes et de la photographie pour que vous ayez une idée de la multiplicité du type d'images que nous conservons, ce qui va me permettre ensuite d'éclairer peut-être certaines parties de mon intervention. Donc, est-ce qu'on peut passer le PowerPoint, s'il vous plaît ? Non, c'est moi ? C'est moi, d'accord. Donc, je vous ai rassemblé sur cette image quelques-uns des types d'images que nous conservons au département. Donc, c'est une collection très, très ancienne, hein, puisqu'elle remonte à l'acquisition par Colbert en 1667 d'une des plus grosses collections d'estampes de l'époque, celle de l'abbé de Marolles, qui fait arriver dans les collections royales 80 000 estampes et dessins. Donc, je vous ai ici mis une photo, c'est pas très pratique, une photo
Je ne sais pas si vous voyez. Non, ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Alors. Vers l'ordinateur. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Ça marche là ? Donc, je vous ai mis une photo d'une des deux salles de lecture du département, puisque nous avons deux salles de lecture, une salle de lecture du Fonds général et une salle de lecture de la réserve. Et donc, vous... Voilà, oui, en haut, à droite pour vous. C'est pas très pratique. Attends, je repasse en arrière. Voilà. Et donc, sur cette diapo, bien, je vous ai mis un certain nombre de types d'images. Donc, vous voyez qu'on a de l'estampe ancienne, ici, Dürer, de l'estampe plus contemporaine, des cartes et plans, des dessins, de l'estampe extrême-orientale, des affiches, de la photo et toute une série d'éphéméras iconographiques, des calendriers des postes, des images de piété, des étiquettes de vin, et j'aurais pu en rajouter encore comme ça beaucoup. Nous venons par exemple, depuis quelques années, nous constituons une collection de dessins, autour du dessin de presse contemporain. Donc vous voyez un nombre très important de types d'images à cataloguer. Et donc, tout ça représente 15 millions d'images. On ne les a jamais comptées, je vous rassure, mais on dit qu'on a 15 millions d'images. Et une des caractéristiques, en fait, de ce département, c'est sa double nature. Nous sommes à la fois une collection de type muséal, les estampes de Dürer, par exemple, ou des dessins de François Boucher, comme celui que je vous ai mis ici, mais également un centre de documentation par l'image. Et je reprendrai ici la formule qui me paraît la meilleure qui soit, qui est celle de l'abbé de Marolles, donc au XVIIe siècle, qui qualifiait sa collection de bibliothèque imaginaire, donc on est bien dans une bibliothèque, et imaginaire en ce qu'elle est constituée d'images. Donc je continue ? Oui. D'accord. Alors, peut-être pour aborder cette question du retard de signalement, je pense que c'est important de vous expliquer comment on a signalé nos collections depuis le XVIIe siècle, en fait. Et la tradition du département, comme celle des collectionneurs d'estampes de XVIIe, XVIIIe siècle, ce n'est pas de cataloguer la pièce, de signaler les pièces une à une, mais de les classer. Quand je suis arrivée au département des estampes, un conservateur qui était en poste depuis un certain temps m'avait dit doctement au département des estampes, on classe d'abord, on catalogue ensuite, et puis il m'avait regardé, il m'avait dit, on catalogue longtemps après. Et il avait raison. Donc ce qui fait que ce type de gestion de la collection, ce classement plutôt qu'une description, fait que quand on a voulu signaler les collections qu'on avait dans le département, eh bien on a fait un signalement au recueil. C'est-à-dire qu'on a dit, eh bien, on a un œuvre, puisque quand on parle de l'œuvre d'un artiste, René Tobasquilla, un œuvre de François Boucher, qui est ici constitué de 16 volumes. On a une série de topographies classées par pays, division administrative. Et donc, dans le catalogue, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Topographie de Paris, premier arrondissement, premier quartier, le Louvre, etc. On a aussi fait des signalements, comme ça, en recueil, autour des collections de collectionneurs. Bon, ici, je vous ai mis l'exemple de la collection de Michel Hénin, qui est une collection consacrée à l'histoire de France. Et donc, eh bien, cette collection, elle était signalée dans le catalogue comme collection Michel Hénin, estampe relative à l'histoire de France, et puis les différentes périodes chronologiques concernées par les différents tomes. Et donc, à quoi les lecteurs avaient-ils accès jusqu'en 2006, en fait ? Eh bien, c'était un catalogue sur fiche où n'étaient signalés que les recueils factices, les suites éditoriales et les imprimés. Et tout ça était classé soit au nom de l'artiste, soit par sujet. Ce qui veut dire que quand quelqu'un arrivait et voulait savoir ce qu'on avait sur François Boucher, il allait au catalogue général sur fiche, il regardait la section François Boucher, il avait l'œuvre de François Boucher, éventuellement si Boucher avait écrit, il aurait eu les écrits de Boucher, et puis il avait les ouvrages qui étaient consacrés à Boucher et qui étaient conservés dans nos collections de documentation. Alors, il s'est avéré au bout d'un moment que ce signalement par recueil ne suffisait pas et on s'est lancé dans une entreprise totalement folle, on ne l'a pas fini, qui consistait, on a commencé en 1925, qui consistait en fait à décrire à la pièce
uniquement pour les graveurs français nos collections, donc en travaillant par siècle. 16e siècle, ordre alphabétique des artistes, 17e pareil, 18e pareil, et inventaire des, après 1800, puisqu'on n'était pas encore allé jusqu'au 20e siècle, tout ça classé donc par ordre alphabétique d'artistes. Donc vous avez ici un exemple de ce que donne la description à la pièce dans ces inventaires du Fonds français, donc imprimé, hein, publié en volume, d'une estampe de l'œuvre de François Boucher dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est une description extrêmement précise et où on va reprendre donc, les éléments d'information qu'on a sur l'image en les transcrivant avec une description. Des dimensions, et puis un certain nombre d'annotations, de références bibliographiques, etc. Un autre exemple pris dans les séries de topographie sur Paris, donc toujours dans l'inventaire du Fonds français, vous voyez qu'on a également toujours le même type d'informations. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en 1925, quand on a commencé cette entreprise, il y a des règles qui avaient été définies pour rédiger les notices de l'inventaire du Fonds français. Ce n'était pas une norme, c'était un document à usage interne, mais tous ces inventaires du Fonds français, pour ce qui a été publié, c'est-à-dire pour les artistes jusqu'à la lettre L, le L est la lettre fatidique au département des estampes. Nous n'arrivons jamais, mais je dis bien jamais, à passer de l'autre côté du L. Sauf le 19e, qui est allé jusqu'à Marville. Il faut que je sois honnête. Tout ça était quand même normé, hein, même si c'était à usage interne. Alors, un autre type de description qu'on peut trouver dans ces inventaires imprimés, c'est celui qu'on trouve dans l'inventaire de la collection de Michel Hénin, donc sur l'histoire de France, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été publié donc, à la fin du 19e siècle par Georges Duplessis, où là, on a une description, alors pas du tout normée, hein, on est à la fin du 19e siècle, beaucoup plus succincte, mais qui suffit à identifier la pièce, en particulier parce qu'il y a cette description. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un retard en tant que tel, mais plutôt d'une différente approche en fait, par rapport au sujet, avec le classement en fait, et l'expertise en fait, sur les collections avant effectivement, le catalogage. Mais l'informatisation arrive et donc pose de nouvelles questions, puisque là on est sur des catalogues papier. Et l'informatisation, quelle a été l'aide en fait, de l'informatisation pour le traitement des collections ? Alors, vous allez voir que c'est à la fois une aide, parce qu'il y a des points positifs dans cette informatisation, mais parce qu'on n'a pas forcément identifié tout ce qui pouvait bloquer, il y a aussi des points négatifs sur lesquels on est en train de se pencher actuellement. Donc, en 1986, le département des estampes devient l'un des premiers départements de la BNF à cataloguer en ligne ses documents spécialisés. Les imprimés avaient commencé bien avant nous. Donc cette informatisation de la description des pièces, je ne parle pas des recueils, mais des pièces, hein, il y a toujours cette distinction, a donné lieu à la mise en chantier d'une norme, donc qui est la norme actuellement en vigueur, la Z44077, qui en fait se base sur les ISBD. Les ISBD pour les non-book material, ils datent de 10 ans, enfin de près de 10 ans avant, hein, c'est en 1977 que paraissent les ISBD pour les non-livres. Et il a fallu attendre quand même un certain temps avant que le département des estampes, qui était moteur quand même dans cette affaire, prenne les choses en main et commence à rédiger la norme. Mais la norme, elle ne sera publiée qu'en 1997. Alors pourquoi une telle durée de travail sur cette norme? Eh bien, parce que, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est que, traditionnellement, les images, elles sont plus classées que décrites à la pièce. Donc, rédiger une norme qui donnait les indications pour les décrire à la pièce, c'était pas forcément dans l'habitude des conservateurs d'estampes et de photos. Aussi parce que l'image,
elle est en bibliothèque, mais elle est en musée, elle est en centre de documentation. Donc, en fait, elle est dans des institutions qui ont des pratiques et des approches totalement différentes. Et donc, il a été compliqué de mettre d'accord, en fait, tous ces experts. Alors, je n'étais pas au département des estampes à ce moment-là, mais on m'a raconté que les discussions des conservateurs entre eux autour de cette norme ont été extrêmement musclées. Parce que certains disaient, ben non, on a des modes de description, on a la norme de l'inventaire du fonds français qui nous convient tout à fait. D'autres disaient, ah non, la description de Bartsch dans le peintre graveur, c'est exactement ça qu'il faut faire. On ne va pas se mettre à cataloguer les images comme des livres. Mon Dieu, quelle horreur. Donc ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps. Et puis aussi ben parce que les pièces à décrire sont extrêmement variées. C'est-à-dire cette norme, elle vous permet de décrire une estampe du XVIIIe siècle, mais elle vous permet aussi de décrire une carte postale. Or, les spécialistes, les conservateurs de ces différents types d'images n'avaient pas le même rapport à l'image. Donc ça a été quand même très compliqué. On a fini par y arriver en 1997. Et pour le catalogage, donc dans le système informatisé de la BNF, on a choisi un format marque, et donc l'intermarque, puisque c'est le format qui est développé par la BNF. Donc à l'époque, nous cataloguions dans une application dédiée. Hein. Chaque département spécialisé avait sa propre application et qui répondait pour les estampes au doux nom de BN Opaline. Et donc depuis, à partir de cette date, on s'est mis à cataloguer à la pièce, révolution copernicienne au département des estampes. On a commencé en fait par cataloguer les entrées. Le département des estampes, je ne l'ai pas dit, mais s'enrichit par dons, par acquisition, mais aussi par dépôt légal. Depuis le XVIIe siècle, l'image imprimée en France est soumise à dépôt légal. Enfin, pour le XVIIe siècle, le terme est anachronique. Et donc, arrivent en masse en fait, des gravures, des estampes, des photographies, des affiches, des cartes postales, etc., etc. Et donc, on s'est mis à les cataloguer à la pièce pour les estampes, les photographies et les affiches, donc dans ce catalogue. On a fait à ce moment-là aussi un test sur l'ancien. Alors là, c'était sacrilège. Mais les conservateurs de l'époque ont tenu bon. Et donc, on a fait un test sur 15 000 images pour constituer le corpus des images autour de la Révolution française qui ensuite a été publié sous forme de vidéodisque et qui est maintenant consultable sur le site de l'Université de Stanford. Et depuis cette période, il y a eu une très importante montée en puissance, surtout à partir des années 2000, sous la poussée de la numérisation, mais là, on va y revenir. Donc, je vais passer rapidement sur les différentes étapes de l'informatisation, mais en 2000, on a converti donc, le catalogue sur fiche, celui qu'on appelait le catalogue des recueils et des livres. On l'a rétroconverti dans BN Opaline. À partir de 2000, pour pouvoir numériser, on a rétroconverti dans ce catalogue BN Opaline tous les inventaires imprimés qui avaient été, de description à la pièce, qui avaient été générés par nos prédécesseurs depuis la fin du 19e siècle. Donc vous avez l'inventaire Hénin, l'inventaire de Vinck, etc., ce qui nous a permis de numériser derrière, on va y revenir. Et puis en 2006, BN Opaline a été fermé et versé dans le catalogue général de la BNF, qui devient à ce moment-là un véritable catalogue multimédia. Donc, tout ça génère quand même des masses de notices extrêmement importantes. Hein. Là, je vous mets les chiffres tels que je les ai trouvés le mois dernier. Donc, 680 000 notices de documents iconographiques, avec 105 000 notices de recueil. Donc, vous voyez le nombre de la part du fonds qui est décrit par des notices recueil, et 575 000 notices de pièces. Quand on sait qu'un recueil, c'est au minimum 60-70 pièces, vous voyez que la part de la collection décrite en recueil est beaucoup plus importante que la part de la collection qui est décrite à la pièce. Et puis, je passe sur les notices d'imprimés, etc. Et quel bilan peut-on tirer de ces choix successifs? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des points positifs, et beaucoup de points positifs. Donc, ça veut dire que l'image fixe est présente dans le principal catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Hein,
façon, quand on a choisi d'être informatisé, il n'était pas question de passer en EAD. Donc, ce qui a été décidé, c'est l'image dans le catalogue général. On s'aperçoit qu'avec quelques adaptations, l'ISBD convient parfaitement à la description d'une image. Hein. L'image, elle a un auteur, un titre, des mentions d'édition et une date. Et donc, alors j'espère que je vais réussir. Je vous montre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut arriver avec la norme, à faire avec la norme Z44077 et donc dans le format Intermark de la BNF pour la description d'une image qui, elle, est vraiment à caractère muséal, hein, puisque c'est les trois croix, là, une des plus célèbres estampes de Rembrandt. Donc, vous voyez que c'est parfaitement décrit. On a des zones de notes importantes, on a des zones de référence bibliographique importantes, on a une indexation, etc. On y reviendra. Et puis, voilà, je peux descendre. Et puis, vous voyez que l'Intermark de la BNF qui a été alimenté, hein, nourri pour nous aider à décrire au mieux nos pièces, nous permet de faire des liens entre les différents tirages, entre les différents états d'une estampe, et nous permet de faire le lien à l'œuvre de l'artiste, donc à la notice recueil, ce qui nous permet de garder une structure. Alors, est-ce que je vais réussir? Je vois qu'il faut que je fasse les quatre doigts. Non. Oui, voilà. Donc, en plus, alors oui, je vous ai montré une notice d'estampe, mais on peut tout aussi bien décrire de manière extrêmement scientifique et extrêmement précise un dessin. Ici, vous avez un exemple de dessin de l'architecte Étienne-Louis Boulet, l'architecte de la fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc toujours la même structure, et on va y revenir, la notice, le lien à la notice de l'œuvre de l'artiste. Non, pardon, excusez-moi, voilà. Mais cette informatisation a quand même eu des points négatifs. Et le point essentiel, c'est qu'en fait, à l'arrivée, nous avons un catalogue très hétérogène qui va, puisqu'on y a versé à la fois les notices de recueil, qui constituent vraiment la colonne vertébrale du signalement aux estampes, et les notices de pièces. Ce qui fait que le catalogue n'est plus capable, tel qu'il est actuellement, de restituer la structure historique du signalement au département. Et quand vous interrogez François Boucher, eh bien vous avez une liste de réponses qui va mêler les notices recueil de l'œuvre, le pièce à pièce de François Boucher. Enfin, et on se rend compte que les lecteurs, les chercheurs, ne comprennent pas la hiérarchie qu'on leur propose, tout simplement parce que le catalogue, le web CCA de la BNF, ne permet pas de le restituer. Et on perd la hiérarchie et on perd la notion de granularité. Alors, vous l'avez vu dans les deux notices que je vous ai montrées, on a créé une zone dans l'Intermark pour pouvoir faire le lien entre la pièce et le recueil dans lequel elle est conservée. Malheureusement, je vous ai dit, on a quand même beaucoup nourri ce catalogue avec des rétroconversions de catalogues imprimés, et il n'a pas été possible d'implémenter cette zone de lien au moment du chargement des rétroconversions. Ça aurait demandé un travail totalement fou, parce que les rétroconversions, je vous parle de 150 000, 200 000 notices qui ont été rétroconverties de cette manière-là. Donc, il aurait fallu y aller à la main et ce n'était pas possible. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'a pas systématiquement ce lien entre le recueil de l'œuvre ou le volume, le recueil du sujet et la pièce décrite, ce qui rend la consultation un peu compliquée. Et puis, donc l'interface publique du catalogue de la BNF, quand vous l'interrogez comme ça, vous tombez sur tout type de document, ce qui génère beaucoup de bruit à l'interrogation. Donc là, on a trouvé un moyen de pallier cette difficulté. Je ne sais pas si ça va marcher. Non. Bon. Le lien ne marche pas. Mais donc sur la page du catalogue général, vous verrez qu'il y a des univers. Il y a un univers jeunesse, un univers musique et un univers images et cartes qui vous offre des possibilités de recherche, alors qui ne va vous donner des réponses que pour les documents iconographiques, et qui va vous offrir un certain nombre de champs d'interrogation qui sont spécifiques à l'image. Donc ça permet de réduire un petit peu le bruit qui peut être généré par notre catalogue.
À ce moment de l'exposé, il est important de signaler que les services d'archives ont adopté effectivement l'EAD, que les bibliothèques universitaires avec CALAM et l'ABES ont adopté effectivement également l'EAD. Donc d'une certaine manière, il y a eu effectivement un peu scission en fait, dans les approches en fait, de catalogage en fait, des documents iconographiques, avec d'un côté effectivement le format marque, adopté effectivement par la Bibliothèque nationale de France, par un certain nombre de bibliothèques, et d'un autre côté, l'EAD qui s'est imposé dans les services d'archives, dans les bibliothèques universitaires, ainsi qu'y compris à la BNF. Avec archives et manuscrits. Avec archives et manuscrits, effectivement. Alors, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, aux estampes, la question ne s'est pas posée. On a informatisé très tôt, à un moment où la question de l'EAD ne se posait pas, et il est bien entendu impossible maintenant d'imaginer revenir en arrière. D'autant que, je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de points positifs dans l'utilisation de l'ISBD et du format Intermarque pour la description de l'image. Donc nous sommes dans un format marque, nous sommes dans le catalogue général et nous y resterons. Même si effectivement il y a ce problème de hiérarchie de la collection qui n'est pas bien restituée. Donc on aura l'occasion, je pense, dans les questions-réponses de revenir sur ce point, ainsi que dans la table ronde. Mais on va passer effectivement au troisième point qui est la numérisation. Corinne, effectivement, quels apports en fait la numérisation a pu aider en fait les bibliothèques, les institutions en fait à mieux traiter et à mieux signaler, à mieux rendre visible en fait leur corpus iconographique. Alors tout simplement parce que ça nous a obligés à cataloguer à la pièce. Si vous voulez que, enfin, numériser une image sans la munir de métadonnées, ça ne sert à peu près à rien. Il fallait générer des métadonnées. Donc dans le monde des bibliothèques, générer des métadonnées, c'est cataloguer l'image. Donc pour nous, ça a vraiment été un coup un vrai boost dans notre signalement à la pièce. Alors on a abandonné la logique de l'inventaire du fonds français parce que comme l'idée c'est de travailler par artiste, ben, vous vous trouvez avec des artistes très importants et puis le suite d'après il a fait trois pièces sans aucun intérêt. Et la numérisation étant aussi une mission de valorisation, il était quand même plus important pour nous de signaler les grands noms de l'estampe. Donc, on a vraiment repris un catalogage à la pièce, mais en ciblant les grands noms ou les corpus autour des sujets particulièrement intéressants. Alors, la question que nous nous sommes posées à ce moment-là, c'est la question de la granularité de la numérisation. On avait des notices recueil, pas beaucoup de pièces à pièce. À un moment, on s'est dit, c'est pas grave, on a une notice recueil, œuvre de Boucher, et puis on va numériser les 16 volumes de l'œuvre de Boucher derrière la notice œuvre de Boucher. Ça n'aurait vraiment eu aucun sens. Donc, dans certains cas, on a choisi de se lancer dans le catalogage à la pièce et on a fait du signalement vraiment précis. Dans d'autres cas, la numérisation par recueil ou par petit lot est tout à fait pertinente, puisqu'on peut avoir un ensemble d'images autour d'un même sujet et la description à la pièce est moins pertinente. Et de toute façon, ça prend tellement de temps, ce serait un chantier tellement lourd que si on se disait qu'on allait cataloguer à la pièce chacune des images qu'on numérise, on n'y arriverait pas. Actuellement, on a, depuis 2010-2011, on numérise à peu près 90 000 images par an. On est absolument incapable de générer 90 000 notices par an, c'est trop. Actuellement, le département des estampes a entre 1 million et 1,5 million d'images en ligne sur Gallica. Donc, de toute façon, la logique du pièce à pièce n'était pas importante. Alors, comme on a choisi quand même, dans certains cas, pour faire avancer la numérisation, de numériser au recueil, on a fait évoluer le format Intermarque pour avoir une autre possibilité de générer les métadonnées en légendant, en fait. Donc, en fait, vous voyez ici la notice d'un album de portraits cartes de visite qui a appartenu à Édouard Manet. Donc, la notice recueil en elle-même est très basique. Mais vous avez derrière, en fait, un légendage de chacune des images. Et donc, on a travaillé avec Gallica, avec notre service informatique, pour pouvoir avoir un système qui lie chaque image
à son image sur Gallica. Et donc l'intérêt de cette zone, dite zone 0,93 dans l'Intermarque, est qu'elle est interrogeable. Elle est interrogeable à la fois par tout mot de la notice et par mot du titre. Et quand vous allez sur Gallica, vous voyez que vous avez la légende qui s'affiche sous l'imagette, voilà, et qui reste, quand vous zoomez sur une des pages, qui reste parfaitement interrogeable. Donc on a beaucoup utilisé pour ce type de document, pour des corpus à valeur documentaire, on a beaucoup utilisé ce système de légendage. Alors, est-ce que... Non, pardon. Voilà. Alors, donc, ce qu'on peut signaler aussi autour de la numérisation, c'est que ce qui s'affiche, et ça on a du mal à le faire comprendre au lecteur, ce qui s'affiche dans le catalogue général de la bibliothèque, et vous voyez à quel point certaines notices peuvent être extrêmement détaillées, n'est pas ce qui s'affiche dans Gallica. On peut même remonter d'un cran, Gallica n'est pas le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France. Parce que le nombre de fois où on me dit « Ah, j'ai regardé sur Gallica, mais j'ai pas trouvé, donc vous n'avez pas », y compris vers mes collègues de musée, ça prouve bien qu'il y a un problème d'identité. Je ne sais pas où se situe le problème, mais en tout cas, il faut vraiment que nous, on soit très pédagogue et qu'on explique qu'il y a le catalogue général, où il y a tout, ou en tout cas, où tout est signalé à des degrés divers, et Gallica qui n'est que ce que nous avons numérisé. On a 15 millions d'images, il y a 1 500 000 images des estampes sur Gallica, donc vous voyez que si on se contente de la consultation de Gallica, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. D'autant que, ce qui s'affiche sur Gallica, ce n'est pas la notice du catalogue général, mais une notice en Noainium, eh bien la notice, elle est tout à fait normalement appauvrie, puisqu'il n'y a pas suffisamment de champs. Alors là, je ne suis pas trop technicienne, mais on utilise à ce moment-là le Dublin Core, et le Dublin Core n'a que 15 champs, je crois, donc ça ne permet pas de restituer toute la richesse de la notice du catalogue. Donc, ça appauvrit la réponse, parce que si vous interrogez par un mot qui est dans la note, le catalogue général va répondre. Comme les notes ne passent pas en OINUM, le même mot ne répondra pas sur Gallica, donc vous perdez l'information. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important pour nous. Je retrouve ma... Non. Alors, excusez-moi, je cherche mon... Voilà, c'est là, c'est bon. Donc effectivement, le Dublin Core, hein, vous le savez, n'a que 15 composants, tous facultatifs. Et donc, c'est, comme le montrait bien la diapositive précédente, on voit bien la différence, effectivement, de qualité de description et d'expertise sur la notice bibliographique du catalogue général de la BNF et dans Gallica. Il y a vraiment un appauvrissement, en fait, de l'information qui interpelle. Gallica n'est pas un catalogue, donc ça peut se comprendre. Simplement, il faut être très pédagogue et bien faire comprendre aux chercheurs que tout n'est pas dans Gallica et que Gallica, encore une fois, n'est pas un catalogue. Ça rend d'autres services, d'énormes services, mais ce n'est pas un catalogue. Et donc, d'un point de vue perspective, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les prochains temps, que ce soit... Alors, peut-être un point sur l'indexation. Sur l'indexation, oui, rapidement. Faire partie effectivement des perspectives. Voilà. Donc là, je vais passer peut-être assez vite. Donc il y a la question de l'indexation. On a longtemps hésité entre une indexation iconographique qui allait décrire les éléments de l'image et une indexation du sujet, au thème général de l'image. Donc nous avons choisi, parce que nous ne sommes pas une banque d'images, mais une collection d'images, nous avons choisi une indexation au sujet. Puisque nous sommes dans le catalogue général de la BNF, nous utilisons en priorité le vocabulaire rameau, qui est parfois peu adapté à l'image, parce que quand il s'est agi d'indexer une cour de ferme chez Boucher, c'est devenu exploitation agricole. Donc c'était un peu difficile.
Alors, ce qui fait que, et puis en plus pour certains champs couverts par les images, surtout les images anciennes, Rameau n'est pas assez fin, quoi. En particulier, si vous voulez décrire une image religieuse, indexer une image religieuse, dans Rameau, c'est un peu compliqué parce que Jésus-Christ, enfance et jeunesse, c'est pas très joli. Donc, nous avons, pour certains corpus particulièrement importants, nous sommes allés vers Iconoclaste, qui est un Iconoclaste, qui est un système de classification hein, qui à un moment a été géré par le RKD, donc l'Institut d'Histoire de l'Art néerlandais, qui maintenant, je crois, est géré par une fondation. Et qui est accessible gratuitement sur Internet. Et l'intérêt, en fait, c'est que c'est vraiment adapté au sujet de l'image et ça donne une espèce de structure, de hiérarchie. Donc, vous voyez, par exemple, ici, sur cette notice des trois croix, donc Jésus-Christ, crucifixion, ça, c'est du Rameau. Mais vous voyez qu'en dessous, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus précis, qui est l'entrée repérée dans Iconoclaste. Alors, Iconoclaste n'est pas implémenté dans le catalogue général de la BNF. Ça, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on traite à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on fait le lien avec Iconoclaste ou pas? Vous voyez que c'est quand même très précis parce que vous avez les références à la Bible, etc. Voilà. Attendez. Excusez-moi, j'ai du mal à m'habiller. Ah ben non, c'est bon. Non, je ne sais plus où je suis là. Non, je suis plus sur le PowerPoint. Voilà. Et puis, pour pallier les insuffisances de Rameau, enfin, c'est parce que Rameau n'est pas fait pour ça, donc ce n'est même pas des insuffisances, c'est que Rameau n'est pas l'outil adapté, nous avons développé des référentiels qui sont propres à l'image, qui, eux, sont implémentés dans le catalogue général et qui vont permettre d'indexer les techniques, d'indexer les typologies, d'indexer le genre iconographique, l'esthétique de l'image. Donc, les perspectives. Alors, les perspectives, eh bien, je pense que vous, comme nous, on est face à ce tsunami qu'est la transition bibliographique. Donc, la BNF est en train de rédiger, la BNF et l'ensemble de la profession est en train de rédiger les codes RDA les codes RDA-FR qui vont permettre donc d'appliquer, de mettre en œuvre cette transition bibliographique. Donc, ça suppose à la BNF et au département des estampes, puisqu'il y en est question ici, un changement de conception du signalement. Hein. Donc on est en train de travailler justement sur les nouvelles consignes de catalogage dans ce nouveau contexte et je ne vous cacherai pas que pour nous la transition bibliographique et la FRBérisation des catalogues ça risque d'être un peu compliqué parce que, enfin, on va voir, on va pas s'énerver avant d'avoir commencé. Donc on va commencer nous fin 2025 puisque évidemment le catalogue général son petit nom AD402, l'outil de production, ne permet pas de travailler en RDA. Donc, on est en train de développer un nouvel outil de production qui s'appelle Noémie et dont le déploiement est prévu à la fin 2025. Je voulais vous dire autre chose. Donc, déploiement de Noémie fin 2025, rédaction des consignes de catalogage. Et développement d'un nouvel intermarque, dit intermarque NG, qui va permettre donc d'appliquer qui va permettre de cataloguer selon la méthode des FRBR. Et en parallèle, la BNF s'est lancée le centre Rameau, la BNF s'est lancée dans une réforme du vocabulaire Rameau qui vise à simplifier son utilisation et sa gestion. Donc là, je vous renvoie sur le site de Rameau, qui explique ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez tous les détails ici. Voilà, je crois que j'ai terminé ce que je pouvais dire. Une ultime question, mais avant d'ouvrir effectivement la discussion à la salle, celle effectivement d'une personne qui a géré effectivement un fonds iconographique. Quels sont les
recommandation en fait que tu donnerais. En termes de signalement ? En termes de signalement. Alors, le principe que j'ai pris aux estampes, c'est de ne pas me lancer tête baissée dans le pièce à pièce, parce que on n'y arrive pas, on s'épuise et on ne voit jamais la fin. Donc, je crois que vraiment la bonne solution, c'est de commencer par la description des recueils, des lots, hein, en définissant ce qui est pour vous un lot ou un recueil, de bien mettre ça au carré. Et là, on va reprendre d'ailleurs aux estampes, on va refaire un passage sur les notices recueil, parce qu'il y a eu des dérives à certains moments, donc on va reprendre les notices recueil. Et une fois que vous avez bien mis en place ces structures de recueil, définir au sein de ces recueils quels seraient les chantiers de catalogage prioritaires. Ne pas faire comme pour l'inventaire du fonds français, en commençant à la lettre A et en vous arrêtant à la lettre L. Donc il vaut mieux travailler qu'est-ce qui est le plus en rapport avec votre fonds, qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de mettre en valeur, qu'est-ce qui peut intéresser un projet de recherche. Nous, un certain nombre de nos chantiers de catalogage sont issus de projets de recherche, parce qu'un chercheur va vouloir travailler sur un corpus, eh bien, soit il va nous donner les notices, et ça, c'est vraiment le top du top, parce qu'on n'a plus que des copier-coller à faire dans le catalogue, soit on va travailler avec lui pour construire ces notices. Donc, vous voyez, il y a plusieurs critères qui peuvent entrer en ligne de compte dans la priorisation du fonds. Mais je pense que le maître mot, c'est traitement à grosse maille, puis priorisation. Voilà. Voilà la parole. Je remercie effectivement Corinne d'avoir répondu à toutes mes questions et je donne la parole effectivement à la salle. Y a-t-il des questions ? On a prévu un quart d'heure en fait, d'échange avec vous. Je me lance, mais ça remonte vraiment à très très loin dans ma carrière. Mais pour ces questions de recueil factice que vous utilisez toujours finalement, qui me font penser au travail que je faisais quand j'étais aux Archives nationales à l'époque. Pas de pièce à pièce, mais évidemment les descriptions beaucoup plus agrégées. Vous le faites également pour le flux, puisque vous recevez le dépôt légal. Et donc le flux, ça marche comment ? Vous prenez les pièces, vous les classez dans des dossiers qui existent déjà, d'une certaine manière, ou vous en constituez d'autres, et vous continuez à incrémenter ces dossiers factices, c'est ça ? Tout à fait. La règle, c'est on ne catalogue jamais une pièce d'un artiste sans avoir créé sa notice recueil si elle n'existe pas. C'est vraiment, parce que encore une fois, c'est vraiment la colonne vertébrale du département. Et encore maintenant, quand on veut renseigner un lecteur au département des estampes, on va utiliser en priorité le guide du lecteur publié par Henri Bouchot en 1895. Alors bon, pour le contemporain, il n'est pas à jour, mais pour l'ancien, c'est très bien, qui ne décrit pas la liste des pièces qu'on a dans le département, mais qui fait la liste cote par cote de l'ensemble des recueils. Donc vraiment, pour nous, c'est ça l'important, c'est d'avoir systématiquement un recueil dès qu'on a une pièce d'un artiste, au moins une notice recueillie. Et une des choses sur lesquelles je voudrais travailler maintenant, on a fini les transferts, fini les déménagements et fini la réorganisation du département, c'est de mettre au point une espèce de bouchot électronique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, en tout cas un accès via le site web qui restitue en fait cet accès par recueil et qui ensuite permet de rebondir sur le pièce à pièce lorsqu'il existe. J'avais une question complémentaire à celle de Nicolas Georges portant précisément sur le dépôt légal. Lorsque les déposants donc, vous apportent leurs estampes, est-ce qu'ils livrent avec des métadonnées ? Comment ces documents arrivent ? Comment vous les identifiez via le dépôt légal ? Et est-ce qu'on pourrait envisager, comme c'est le cas pour le livre imprimé, qu'à terme, ces déposants vous livrent aussi des métadonnées en même temps que les documents physiques ? Alors, ça dépend de quel type de document on parle. Les graveurs, les photographes, on oublie les métadonnées. Parce qu'ils viennent déposer, c'est du dépôt légal, mais c'est fait à travers un dialogue avec l'artiste. Donc les métadonnées, c'est un bordereau papier où on a les informations, en fait, qui sont ensuite pieusement conservées dans ce qu'on appelle les cahiers noirs, classés par artiste, en tout cas pour l'estampe. Mais la photo le fait aussi.
Pour, pour ce qu'on appelle l'imagerie, en fait, donc les éphéméras iconographiques, il y a une possibilité maintenant de déclarer en ligne via l'extranet du dépôt légal. Et là, effectivement, on peut récupérer un certain nombre de métadonnées. On est en train de travailler à la BNF sur le dépôt légal du numérique, parce que là, je vous ai parlé du document physique, mais on est confronté en particulier pour l'image à l'arrivée du numérique natif. Normalement, en 2025, on va commencer à travailler au développement d'une chaîne permettant l'entrée par flux du dépôt légal de la photo. Et là, effectivement, le gros du travail, ça va être d'obtenir les métadonnées qui sont liées à chaque photo, parce qu'on parle de 50 000, 100 000 images par an. Donc, si on n'a pas les métadonnées qui vont avec, on n'arrivera jamais à les traiter. Donc, encore une fois, inutile de stocker du numérique si on n'a pas les métadonnées. Donc là, et on se rend compte que lorsqu'on travaille avec les artistes, obtenir ce type de métadonnées, c'est très compliqué. Actuellement, la BNF est porteuse d'un grand projet qu'on appelle la grande commande photo. Hein, le ministère, dans le cadre du plan de relance post-Covid, a lancé une commande de reportage photographique à, alors je ne sais plus si 100 ou 200 photographes, j'ai oublié, dont une partie qui est en fait un état de la France post-Covid. Une partie de ces images arrive en physique, mais l'intégralité du reportage va arriver en fichier numérique. Et on demande aux photographes de nous livrer avec les métadonnées. Et on se rend compte que les photographes, ce ne sont pas des bibliothécaires, ce ne sont pas des archivistes. Et il y a vraiment un problème sur la métadonnée fournie par l'artiste. Je pense qu'avec les éditeurs, c'est moins le cas parce qu'eux ont une habitude que n'ont pas les artistes. Il y a plusieurs questions. Hein. Je crois que juste un peu au-dessus, puis il y a Nicolas Georges aussi. On va prendre progressivement. Pouvez-vous vous présenter avant oui, de poser la question? Oui, Valérie Louison-Houdeau, Bibliothèque nationale de France. Ma question, c'était juste pour rebondir, en fin de compte, puisque les artistes ne sont pas habitués. Est-ce qu'on va développer une forme de pédagogie pour eux, ou les aider? Ou pas du tout. Là, on est vraiment au tout début de la réflexion. Donc, c'est effectivement des questions qu'il va falloir se poser. Mais pour le moment, on identifie les points où ça peut bloquer. Et ensuite, on verra comment les résoudre. Et pour ça, la grande commande est vraiment un très, très bon terrain d'exercice parce qu'on est en vrai, là. On n'est pas sur trois images. Oui, Nicolas Georges, je reprenais un chiffre que vous aviez lancé, mais peut-être que je l'ai mal compris, de 90 000 images numérisées par an, oui. Sur 15 millions. Oui. Si je fais la division, 15 millions divisé par 90 000, ça fait 166 ans. Oui. Mais bon, tout n'est peut-être pas... Enfin, après, voilà, d'une part, il y a la sobriété numérique, et puis après, est-ce qu'il faut tout numériser? Oui, c'est vraiment là encore, il y a une question de priorisation, hein. On va numériser les œuvres des grands artistes, on va numériser des corpus demandés par des chercheurs, et puis on va numériser ce qu'on appelle les grandes séries documentaires qui sont vraiment très utilisées, comme par exemple la série sur les portraits, la série sur l'histoire de France qu'on va essayer de numériser, etc. Ouais. Certes, mais on va parler d'intelligence artificielle et sur les entreprises, puisqu'on est aussi là, qui vont générer en tout cas de la valeur avec ces éléments-là, plus, c'était comme Google avec les textes, plus on a d'images, plus ces techniques d'intelligence artificielle vont être pertinentes. Et eux ne sont pas forcément ils vont sans doute pousser. Enfin, on va avoir une demande sociale, peut-être politique, pour avoir de plus en plus d'images de ces collections mises en ligne, quel que soit l'intérêt. Enfin, des étiquettes de vin, tout ça, pour ces gens-là, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Tout à fait. Donc on va avoir des logiques assez différentes de celles de la collection artistique, en quelque sorte, et de la valeur artistique qui vont être à l'œuvre, surtout si on est dans la question du dépôt légal numérique, avec des flux beaucoup plus importants d'images qui vont être versées. Tout à fait. Mais là, je pense aussi que c'est là où la notion de numérisation partagée a tout son sens.
On avait évoqué un moment, là, on a une collection d'à peu près 600-700 000 cartes postales. On avait évoqué à un moment l'idée de numériser cette collection. Et en fait, on s'est dit non. Enfin, les cartes postales, les bibliothèques municipales en possèdent, les archives départementales en possèdent. Il y a des entreprises de numérisation sur ces collections. Quel intérêt pour la Bibliothèque nationale de numériser 600 000 cartes postales ? Donc, il y a aussi ça qui et c'est ce qui va se passer sur la presse. Et voilà. Corinne, est-ce que je peux vous poser une question tarte à la crème ? L'indexation par intelligence artificielle, l'indexation par reconnaissance optique des formes. Alors là, je vais botter en touche et me tourner vers Jean-Philippe Moreux, qui est là-bas, qui va vous en parler demain, je crois, hein, parce que c'est lui qui suit ça à la BNF et il est beaucoup plus calé que moi sur le sujet. Mais oui, c'est une réflexion qui est menée à la BNF actuellement. Parce que cette question d'indexation, je n'ai pas monopolisé la parole, peut jouer pour d'autres, d'indexation d'images peut jouer pour d'autres sujet, on travaille actuellement sur un portail du livre adapté et accessible et se pose la question pour les aveugles de la lecture d'images. Et la lecture d'images pour des aveugles se fait par la description, par des mots. On est obligé, avec des mots, de définir une image pour que des aveugles puissent lire une image, entre guillemets, par la parole. Et donc la question de l'indexation automatique aussi peut se poser dans cette finalité-là pour rendre lisibles des ouvrages où il y a des graphiques, des images et pas seulement du texte pour des personnes en situation de handicap visuel. Voilà. Tout à fait, mais c'est effectivement une des réflexions qui est menée actuellement à la BNF. Bonjour, je m'appelle Ludivine Javelot, je travaille à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Merci beaucoup parce que c'était vraiment passionnant votre retour d'expérience justement sur et de parler justement de vos difficultés, des complexités auxquelles vous avez fait face. Et du coup, moi j'avais une question parce que je voulais revenir plutôt sur le signalement et sur les points positifs de l'informatisation, les points négatifs. Finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était compliqué, tout le bruit dont vous parliez, parce qu'il y avait des notices au recueil, des notices à la pièce. Mmh. Et effectivement, c'est compliqué, parce que vous avez fait le choix de prendre l'Intermarque. Mais c'est vrai qu'avec un inventaire et une arborescence qu'on trouve en archives, on n'aurait pas eu ce problème-là. Mmh. Donc aujourd'hui, quand vous êtes face à des bibliothèques qui ont la possibilité d'avoir, qui ont les armes et les moyens d'avoir, de cataloguer à la fois en EAD et à la fois en Unimark, est-ce que s'ils commencent justement à inventorier et cataloguer des fonds de estampes, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'ils fassent de l'EAD directement ? Est-ce que ce n'est pas plus adapté ? Mais du coup, je me suis posé la question sur l'indexation. Est-ce que finalement l'indexation, elle n'est pas meilleure avec Iconoclast que justement ce qu'on peut trouver en archives. Et aujourd'hui, enfin, peut-être que l'avenir, c'est plutôt l'indexation. Enfin, la transition bibliographique va aussi vers des liens entre les notices, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors, il y a plusieurs questions, excusez-moi. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'EAD, donc là, je marche un peu sur des œufs. Moi, je pense qu'on a bien fait de choisir l'Intermarque, mais parce qu'on est à la Bibliothèque nationale et qu'il y a quand même cette possibilité de lier l'image, la photo ou l'estampe au livre dans lequel pour lequel elle pourrait avoir été faite. Donc ça, je pense que c'est vraiment une vraie richesse. Le problème pour nous, c'est cette histoire de lien. Alors effectivement, et d'arborescence. Effectivement, l'EAD permettrait d'y répondre, mais je suis pas sûre, vu la. En tout cas, je parle pour le département des estampes. Hein, vu la diversité des supports, je suis pas sûre que l'EAD soit ce qui nous convienne le mieux. Alors, je vais peut-être vous paraître extrêmement réactionnaire et conservatrice, mais j'y vais. Je crois que ce qu'il faut pour nous, ce qui est essentiel, c'est de coller au cadre de classement. Et je pense que si on avait davantage lu ce que nos prédécesseurs avaient écrit sur ce qu'est le catalogue, il y a peut-être une erreur qu'on n'aurait pas commise. Mais bon, on s'en est rendu compte plus tard. Une question, Julie ou Aurélie ? Marie-Noëlle Perrin, des archives municipales de Marseille. Ma question est peut-être hors sujet, mais j'ai été interpellée par ce que vous venez de dire sur les choix
à opérer pour la numérisation. Bon, on le sait très bien, on ne peut pas tout numériser, on sait très bien qu'il n'y a pas tout sur l'Internet, mais enfin, nous, en tout cas, on archive, on a l'habitude de faire des tris, et de se dire, bon, j'ai un fonds qui est énorme, notamment d'un photographe professionnel, contemporain, est-ce que je garde tout ? Voilà, on a vraiment cette culture du tri, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui risque d'être réutilisé, qu'est-ce qui porte un contenu. Donc là aussi, on se pose des questions sur la numérisation, et donc moi, je voulais vous demander, les documents que vous ne numérisez pas, donc qui ne sont pas accessibles sur l'Internet, est-ce que vous avez des consultations physiques en salle de lecture? Enfin, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est effectivement, vous avez mis le doigt sur la question, c'est que plus on numérise, plus on a de mal à remplir les salles de lecture. Ça dépend, je suis d'accord avec vous. Dans certains cas, la numérisation fait un peu effet de tête de gondole. C'est-à-dire, voilà, on a regardé ce qu'on a dans les collections, derrière, dans le fond du rayon, il y a encore d'autres choses qui peuvent vous intéresser. On se rend compte quand même que souvent, les chercheurs, ils se contentent de ce qu'ils trouvent sur Internet. On a une activité de prêt pour exposition extrêmement importante. Et on se rend compte que, de plus en plus, les commissaires d'exposition se contentent de ce qu'ils trouvent sur Gallica et ne viennent même pas voir l'original. Alors, ils sont déçus quand ils voient arriver un timbre-poste. On les prévient avant quand même. Mais donc c'est effectivement extrêmement complexe. Et je pense que tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à faire comprendre qu'on numérise ce qui est ce qui peut intéresser le grand public, parce que ça, je pense que c'est quand même important, on a quand même cette mission-là. Et il y a toute une médiation développée dans Gallica autour de ça, et ça, c'est vraiment important. Ça permet de faire connaître nos collections, mais il faut qu'on trouve un moyen de dire il y a une forêt derrière l'arbre. Parce que nous on ne trie pas, nous, on ne jette pas. C'est arrivé par dépôt légal, et puis ce n'est pas vraiment dans la tradition de la bibliothèque de jeter, voyez-vous. Enfin, surtout pas dans les départements spécialisés. Donc, voilà, je parlais tout à l'heure de cette idée que j'ai de créer un bouchon électronique, donc en fait une espèce de salle de lecture virtuelle qui permettrait justement de guider le chercheur entre ce qui est numérisé et ce qui n'est pas numérisé, et qui lui fasse bien prendre conscience que tout n'est pas numérisé et qu'il y a des choses qui peuvent l'intéresser dans ce qui n'est pas numérisé. Voilà. C'est ce que je peux vous répondre. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Alors, si quand même j'ajouterais une chose, c'est que quand on numérise un œuvre ou quand on numérise une série, on ne fait pas de picking, c'est-à-dire qu'on numérise le recueil. Sinon, ça devient ingérable. On ne sait plus ce qui est numérisé ou ce qui n'est pas numérisé. Donc, si on décide de numériser l'œuvre de... Mélan, on va tout numériser. On ne va pas prendre juste une ou deux images qui sont particulièrement célèbres. Nous allons passer effectivement à la table ronde. On peut remercier effectivement Corinne, hein, qui s'est prêtée à l'exercice. Tout à l'heure, nous aurons une nouvelle séance de questions-réponses. Et effectivement, si vous avez de nouvelles questions pour Corinne, bien sûr qu'elle sera à votre disposition. Merci Corinne. Et je vais inviter les trois intervenants de la table ronde à me rejoindre pour cette nouvelle séance. On ne fait pas de pause. Mais effectivement, on enchaîne directement pour rester effectivement dans le temps imparti. Voilà, on enchaîne sur la table ronde. Donc, le thème de la table ronde, c'est la présentation de projets, de catalogage, de projets concrets, et l'échange avec vous sur les modalités de travail et les perspectives de projets mutualisés.
Vous avez vu qu'effectivement, dans ce même souci de transversalité qu'on évoquait en ouverture, les projets sont le plus souvent bibliothèques, archives, musées. C'était un peu la consigne qu'on avait mis en place effectivement au sein du comité de pilotage de ces journées, de travailler en transversalité sur un thème iconographique qui s'y prêtait tout particulièrement. Donc autour de la table, on a trois intervenants. On a tout d'abord effectivement Nancy Herbin, qui est responsable des collections d'images fixes au MUCEM à Marseille. Chaque fois, on a essayé d'avoir à la fois des exemples de la région et également des exemples effectivement venant de plus loin. Et donc, on a deux autres intervenants, Julien Guélin, responsable du département du musée à la Contemporaine, bibliothèque, musée et archives des mondes contemporains à Nanterre. Et dans la même ville, nous avons effectivement la présence effectivement, de Virginie Hébrard, chef du service des bibliothèques aux archives départementales des Hauts-de-Seine à Nanterre, responsable du portail des bibliothèques. On va le voir, qui est un projet mutualisé, bibliothèque, musée, archives. Je vais leur passer la parole tout de suite, effectivement, pour qu'ils se présentent et surtout qu'ils présentent leur institution, ce qui permettra par la suite, effectivement, de traiter les différents sujets que vous voyez mentionnés sur le diaporama. Mais tout d'abord, effectivement, je vais laisser la parole à Nancy pour présenter, effectivement, le MUCEM et ses collections iconographiques. Bonjour. Alors, le MUCEM, c'est l'héritier du Musée national des arts et traditions populaires, qui a été fondée en 1937 par Georges-Henri Rivière, MNATP, qui lui-même est l'héritier du musée d'ethnographie du Trocadéro. Georges-Henri Rivière avait le projet d'un musée-laboratoire où la recherche a une place importante avec l'enquête-collecte et des équipes pluridisciplinaires. La méthode de l'enquête-collecte, c'est vraiment une spécificité du MNATP à l'époque. Le MNATP récupère une partie des collections du musée d'ethnographie du Trocadéro, notamment celle de la salle de France, qui a fermé en 1928. En 1954, il est décidé que le MNATP va déménager au Palmarium du Bois de Boulogne, mais comme ce lieu n'est pas vraiment très adapté, on va construire un nouveau musée, un nouveau bâtiment qui va être conçu par Jean Dubuisson, un élève de Le Corbusier. Voilà, le MNATP va ouvrir ses portes en 1972. Alors en 2000, l'État décide de transformer le Musée national des arts et traditions populaires en Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, MUCEM, à Marseille. En 2005, les salles du MNATP sont définitivement fermées, la galerie d'études et la galerie culturelle, et le MUCEM récupère les collections européennes du Musée de l'Homme sous forme de dépôt, ce qui va faire la base des collections européennes et méditerranéennes du MUCEM. En 2013, le MUCEM ouvre ses portes donc, à Marseille. Il comprend trois bâtiments. Celui réalisé par Rudy Ricciotti pour accueillir les grandes expositions et les bureaux. Donc c'est sur l'ancien mall J4 sur le Vieux-Port. Un deuxième bâtiment sur le Fort Saint-Jean qui contient à la fois des petites salles d'exposition et ce qu'on appelle le MUCEM Lab. C'est un service qui propose des formations et des conférences à des professionnels à la fois français et étrangers. Le troisième bâtiment, c'est le centre de conservation et de ressources à la Belle de Mai, donc pas loin de la gare Saint-Charles, qui contient à la fois les réserves, 17 réserves par support, les salles de consultation à la fois pour les objets et pour tout ce qui est documents et bibliothèques, et des ateliers de restauration. Merci Nancy. On va passer à Julien pour le micro, je crois qu'il marche, hein, je crois qu'il va marcher à la télécommande. Oui, bonjour, donc la Contemporaine, elle est une institution qui est très... Attends, je pointe sur toi.
sur ton ordinateur ou sur l'écran. Bah, je te laisse faire, d'accord. Donc la Contemporaine, donc une institution qui est très particulière, puisque issue, donc née au moment de la Grande Guerre, issue d'un don d'industriels et qui sont des collectionneurs qui décident de collecter tous azimuts, tous supports, grosso modo tous les artefacts qui ont lien à la Première Guerre mondiale. Et donc une institution qui naît dès l'origine comme une institution transversale, à la fois bibliothèque, archives et musée, qui devient une institution publique en 1917, puisque don de la collection à l'État français en 1917, et dont les collections sont sans arrêt enrichies et s'élargissent à tous les conflits internationaux, puis à l'histoire contemporaine internationale, et qui donc arrive aujourd'hui à peu près à 4,5 millions de documents, qui est rattachée à l'université en 1934 et qui a sa particularité d'avoir à sa tête deux historiens, dont un évidemment célèbre, Pierre Renouvin, qui en fait un outil pour la recherche avec la classification d'une documentation, mais sans axe sur un support particulier. Donc les livres, les objets, les originaux, les peintures doivent dialoguer ensemble. La documentation écrite doit illustrer et documenter les œuvres iconographiques. Les œuvres iconographiques doivent documenter la collection imprimée, et donc dès l'origine avec une visée très particulière. Donc à l'époque contemporaine, devenue un établissement interuniversitaire, et donc une bibliothèque cadiste, puis bibliothécaire délégataire Collex Percé en 2017 pour l'histoire contemporaine. Donc son histoire, si tu peux passer à la slide suivante. Donc évidemment l'histoire évolue, vous voyez quelques images effectivement du musée aux ses origines. La slide suivante vous montre le nouveau bâtiment tel qu'il a été construit par Bruno Godin en 2021 et qui va permettre de réunifier définitivement le musée et la bibliothèque qui avaient été séparées après la Seconde Guerre mondiale. Sur deux sites différents. Donc vous voyez par la suite quelques images du site. Alors voilà quelques données en 6800 m², une salle d'exposition. Ce qu'il faut simplement retenir de ça, c'est un plateau qui dorénavant permet une juxtaposition entre des magasins modernes, des salles de formation, un espace de permanent et un espace d'exposition temporaire, et donc qui permet d'organiser au mieux et de faire de ces collections iconographiques un véritable atelier de l'histoire qui permet à la fois d'accueillir le grand public mais d'organiser des formations pour les étudiants ou les chercheurs. Si tu peux juste, voilà, donc quelques images sur lesquelles on peut passer rapidement, si tu peux avancer, donc des espaces sur l'atelier d'histoire sur lesquels je reviendrai en quelques instants. Et donc des nouveaux magasins, j'ai volontairement mis cette photo pour vous montrer un peu que les magasins sont modernes. Vous voyez que les meubles sont aussi de factures différentes, parce que d'héritages totalement différents, parce qu'il a fallu réunifier totalement cette collection iconographique qui avait été éclatée sur plusieurs sites et savoir des conséquences directes sur la, j'en parlerai dans la seconde partie de mon exposé, sur la classification, le signalement et la numérisation. Si tu peux passer à la suite. Donc 4,5 millions de documents. Entre 80 et 90 000 affiches, puisque comme on le disait tout à l'heure, si j'ai volontairement mis cette pointe d'orientation, cette fourchette, c'est simplement une estimation, puisque justement l'enjeu du classement de la collection, c'est généralement de déterminer le nombre exact, puisque des dons reçus de free collecte, de dons énormes qui ont été classifiés, collectés, conditionnés de manière imparfaite pendant très longtemps et qui justifiaient une reprise totale. Et dont le but est d'aboutir soit à une communication en salle de lecture, c'était le grand enjeu, je vais y revenir, qui doit être faite, soit d'être numérisée. Donc la bibliothèque numérique L'Argonaute, c'est 180 000 documents librement accessibles. Alors aujourd'hui, je parlais des affiches, mais évidemment, les problématiques des négatifs, des estampes et des originaux sont aussi présents dans notre département. Et 15 000 affiches qui sont numérisées en ligne, mais 15 000 affiches, il y en a autant, et c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas forcément parlé au premier exposé, il y en a autant qui sont numérisées, mais qui sont sous droit. Et donc ces affiches numérisées sous droit, évidemment, comme pour Gallica intramuros, ils sont communicables uniquement en salle. Donc les gens qui veulent consulter la documentation numérisée, et en particulier les collections modernes, doivent venir en salle, donc doivent venir dans la salle de lecture, avec le débat qu'on a pu esquisser tout à l'heure, savoir est-ce que ça attire les gens, ou alors ça conduit à des arrêts, parce que les gens n'ont pas le temps de venir communiquer, ils sont déçus de ne pas pouvoir avoir tout accès en ligne. Voilà, donc quelques exemples d'affiches numérisées sur l'Argonaute en tant que tel. Voilà, et je m'arrête, je crois, là.
vous montrer, voilà, je vous ai pris ici quelques, les dernières slides, je vous ai montré quelques, comme je fais avec les affiches, un panorama des différents types de collections pour vous montrer la diversité des collections, qui est une énorme richesse de la contemporaine, qui est évidemment un facteur d'attraction, mais qui est aussi un enjeu absolument énorme pour les moyens humains forcément limités qu'on a, parce que évidemment avec des logiques de conservation, de conditionnement, de numérisation de politiques documentaires qui sont très différentes les uns des autres. Donc vous voyez ici les objets aussi, qui sont un support qui monte de plus en plus avec l'attrait en ce moment qu'il y a sur l'histoire des objets, la demande croissante des chercheurs d'utiliser et de travailler sur ces documents en tant que tels. Donc l'idée, évidemment, la contemporaine est un musée, est une bibliothèque d'histoire, donc c'est une collecte, évidemment, d'œuvres d'art, mais pas forcément, c'est des sources historiques qu'on collecte, donc avec des qualités artistiques qui peuvent être plus ou moins hétérogènes. Voilà. Donc Virginie. Bonjour. Donc moi, je vais vous présenter les archives départementales des Hauts-de-Seine dans un premier temps. Le département des Hauts-de-Seine, c'est un département récent puisqu'il a été créé en 1964. C'est un tout petit département, issu d'une émanation des départements de la Seine et celui de la Seine-et-Oise. Il n'y a que 36 communes, même si on a tendance de parler de la Défense comme la 37e commune du département. Les archives en elles-mêmes ont été créées le 1er octobre 1968, mais n'ont eu leur bâtiment actuel qu'en 1978. Le département, en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, c'était également trois musées départementaux, le musée départemental du domaine de Sceaux, la maison Chateaubriand, le musée Albert Kahn et un quatrième musée qui devrait ouvrir ses portes en 2026, le musée du Grand Siècle, qui sera donc consacré au XVIIe siècle. En ce qui concerne donc les archives départementales en elles-mêmes, ce sont environ 40 km de documents qui sont répartis sur plusieurs sites, dont 3500 dessins et gravures, essentiellement architecture, événementiel ou sur les transports, plus de 1000 cartes et plans, 800 affiches administratives et publicitaires, illustratives, 300 plaques photographiques, notamment celle du château de Saint-Cloud après la Commune, des photographies, notamment un énorme reportage aérien sur les communes du département, leurs rues, les édifices, les manifestations, 11 000 cartes postales des années 1900 sur les communes et les transports essentiellement, et 1200 cartes postales des années 50 à nos jours. En plus, il y a environ 1,3 million de documents, de fichiers en ligne. Et l'autre grande particularité des archives départementales des Hauts-de-Seine, c'est qu'elle comporte, elle héberge trois bibliothèques. La première, je vous en prie, hop. La première, c'est la bibliothèque native, la bibliothèque des archives, d'ailleurs était, pour la petite histoire, constituée et alimentée avant les archives départementales. Donc elle conserve environ 20 000 ouvrages, à peu près 1000 titres de périodiques, essentiellement évidemment sur l'histoire locale, au sens large, l'histoire du Conseil général ou du Conseil départemental évidemment, plus les fonds évidemment de publications administratives. La deuxième bibliothèque, c'est la bibliothèque André Desguines, du nom de son donateur. Monsieur Desguines était un collectionneur de livres, non seulement en tant qu'objet, du coup nous avons des ouvrages avec magnifiques reliures par exemple, mais également en tant que texte. Sur les 55 000 documents qui datent donc du 15e jusqu'au 20e siècle, nous conservons 158 incunables par exemple. Ces ouvrages sont essentiellement liés à l'histoire religieuse, l'histoire littéraire et l'histoire artistique. Et la troisième bibliothèque, qui est également un don, qui appartenait à l'Institut d'Histoire Sociale, c'est la bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine. Ce fonds a été créé par Boris Souvarine, qui est un des fondateurs du Parti communiste en 1920, premier biographe français de Staline en 1935. C'est un fonds donc de référence sur le communisme, le socialisme et le syndicalisme, en France et à l'étranger. C'est une bibliothèque qui comprend environ 42 000 ouvrages, 2 000 titres de périodiques,
des brochures, des thèses, des dossiers documentaires et une trentaine de fonds d'archives privées. Et elle conserve des tracts et des affiches. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui permet effectivement de connaître vos différents intervenants. Et nous allons aborder effectivement cette table ronde sous trois entrées. L'histoire et le classement des collections iconographiques, le traitement des collections iconographiques et la mutualisation des projets portant sur les collections iconographiques. Et chaque fois, une des trois personnes a accepté effectivement de prendre le thème. Donc on commence effectivement par l'histoire et le classement des collections iconographiques avec l'exemple des collections iconographiques du MUCEM par Nancy. Alors je vais donc vous parler du fonds photographique du MUCEM, de sa constitution et de son évolution, du point de vue du statut des photos, de leur description ainsi que des thèmes à aborder. Ce fonds comprend à peu près 450 000 photographies. Donc, dès 1936, Georges-Henri Rivière décide de constituer une collection photographique au sein du musée d'ethnographie du Trocadéro, qu'il continue de constituer au MNATP. Voilà. Les photographies venant du musée d'ethnographie du Trocadéro datent du XIXe siècle et concernent la France et ses différentes régions. Elles ont un grand intérêt pour l'histoire de l'ethnologie et font partie des premiers albums photographiques ethnographiques. Ce sont des tirages fixés sur de grands albums constitués de portraits, de paysages, et les albums sont organisés sur des sujets liés au folklore et au régionalisme, donc essentiellement des costumes, des paysages et des monuments. Là, on voit le portrait d'une femme en Savoie, de Savoie. C'est l'album numéro 1 du musée d'ethnographie. Alors, la collection se développe grâce à deux méthodes différentes. D'une part, les collections photographiques acquises par réaffectation, dont legs ou achat, dans les grands domaines de compétences du musée. Par exemple, celle de Gustave Souris, qui comprend 19 albums de photographies de cartes postales sur les cirques et les arts forains, ou les 13 000 photos de Jérôme Medrano sur le cirque, ou alors les vues stéréoscopiques du fonds Kostukowski, qui sont essentiellement des paysages. D'autre part, les photographies, donc là vous voyez une photographie de l'enquête sur la Sologne, qui a été faite en 1937. La deuxième façon de constituer les collections, ce sont de les produire directement par l'institution. Alors, par les enquêtes collectes, les premières photos datent de 1937, telles que l'enquête ethnographique sur la Sologne ou celle sur la Basse-Bretagne. Le musée conserve des négatifs noirs et blancs, format soit en bande 24-36, 6-6 ou 9-13. Parfois, des tirages sont faits à partir de ces originaux. La deuxième façon de... de produire soi-même la collection, c'est aussi en photographiant les objets du musée ou alors les salles d'exposition ou même les salles des fameuses études, des galeries d'études et galeries culturelles. Donc, voilà, là, vous avez, par exemple, la photo d'une salle d'une exposition sur l'art populaire en Bretagne, qui date de 1961. Donc, plus tard, surtout à partir de 1995, le musée va décider d'acheter des photos à des photographes professionnels ou à leurs ayants droit. Ces photos permettent de compléter la documentation sur des thèmes tels que le cirque, le monde ouvrier ou même le milieu du football. Des commandes seront faites sur des thèmes précis afin de préparer des expositions. Là, on peut voir par exemple une photo de Michel Hézard qui sera montrée pendant l'exposition Les Perpètes en 2006. C'est une exposition de préfiguration du MUCEM. À partir de 2006, le musée acquiert des photos sous forme de fichiers numériques et leur donne le statut de bien affecté.
Cela pose le problème de la matérialité de ces biens, de leur conservation, ainsi que de leur originalité. Ces photos permettent parfois de pérenniser une œuvre dans la nature pour être éphémère, comme celle de certains graffeurs. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément la qualité technique de la photo qui est recherchée, mais plutôt le fait que ce soit fait dans ce soit un document éphémère, quoi. Donc ça, c'est une vue de qui s'appelle Panel Piste de Zov 24. C'est un graffeur. Alors, pour le statut des photographies du MUCEM, au départ, les photographies sont gérées comme des collections de musées, mais elles n'en ont pas le statut. C'est une volonté de Georges-Henri Rivière. Le statut réglementaire de ces photos a été fixé plus tardivement. Ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'elles sont considérées comme des archives, soit de droit privé, soit de droit public. Ce statut d'archive leur donne une protection juridique, notamment cela permet de faire des prêts en toute sécurité. Comme je l'ai évoqué un peu plus haut, à partir des années 70, des photos sont achetées avec le même statut que les objets 3D. Ce sont des biens affectés aux collections du MUCEM. Ils sont imprescriptibles et inaliénables. Cette pratique se développe donc surtout à partir des années 90. Cette différence de statut a longtemps été discutée dans l'équipe scientifique du MUCEM. Le but était de clarifier les critères qui permettaient de classer une nouvelle acquisition, soit en tant qu'archive, soit en tant que bien affecté. La protection d'une archive est aussi forte que celle d'un bien affecté. Donc, parmi ces critères, on a décidé de prendre soit le statut de l'auteur des photos, est-ce que c'est un professionnel ou pas, la quantité des photos achetées et la destination de ces photos, est-ce que c'est pour de la documentation ou pour une exposition. Cela se discute au moment de l'acquisition, en comité des collections, à l'intérieur de l'équipe scientifique. Si le comité est d'accord pour acquérir les photos avec le statut de bien affecté, elles sont alors présentées devant la commission des acquisitions du MUCEM. Cette commission des acquisitions du MUCEM est composée de 9 personnalités du monde muséal qui sont nommées par le ministre de la Culture. Il y a donc un arrêté ministériel qui est délivré avec un numéro d'inventaire qui leur est attribué. Ces photos donc, sont inventoriées sur le même registre que les objets en tant que bien affectés. Les photos qui ont, elles, le statut d'archive sont inscrites sur des registres d'inventaire, manuscrits, spécifiques, qui sont inspirés des registres d'inventaire des biens affectés, avec les 18 colonnes réglementaires. Ils renseignent le numéro d'inventaire ainsi que les caractéristiques principales de la photo. Ces dernières peuvent varier d'un registre à l'autre. Ces registres sont détaillés jusqu'au milieu des années 70. Donc là, je vous ai mis 2 exemples de registres d'inventaire où on voit l'origine, donc l'auteur, le format, le lieu de création, la technique. Alors, le numéro d'inventaire de la photo a une structure calquée sur les numéros d'inventaire des biens affectés. Il comporte le préfixe PH, suivi de l'année de la photographie, puis un numéro de collection ou d'ensemble, et enfin un numéro d'ordre. Ce préfixe PH permet de distinguer les inventaires de la photothèque des inventaires des registres des biens affectés. Parmi les caractéristiques donc, qu'on trouve dans ces registres, donc je vous en ai un peu parlé d'après les photos, on retrouve donc le type d'acquisition, l'auteur, le format, la technique, la date de prise de vue, le lieu de création, qui lui-même est détaillé en sous-rubriques, le pays, la région, le département, la commune, ça va même jusqu'au lieu-dit parfois, et une légende qui décrit la photo. Toutes ces photos sont décrites dans 118 registres couvrant la période de 1936 à 1998. Les registres restent manuscrits jusqu'en 1992, bien qu'une base informatique existe depuis 1977, la base Ethnophoto. À partir de 1992, les inventaires sont constitués à partir des notices extraites de cette base. Donc cette base Ethnophoto, c'est une base de type Mistral qui sera abandonnée en 1999.
durant la période 1977 à 92, une importante réflexion commence sur les vocabulaires servant à décrire les objets dans le domaine de l'ethnologie. Les conservateurs du MNATP travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs du CNRS au centre du Centre d'ethnologie française. En 2005, le musée décide d'utiliser une autre base Mistral, la base FOSEM. Donc, les notices de la première base ethnophoto vont être importées dans cette base. Lors du transfert du MUSEM à Marseille, on a un petit peu réfléchi sur justement les bases de données et on a entrepris un grand chantier sur les collections et on a décidé de revoir notre stratégie concernant les bases. Les bases documentaires, en fait, elles étaient beaucoup trop nombreuses. On a donc décidé de les limiter à 4 bases. Une pour la bibliothèque, PMB, une autre pour les archives, Mnésis, et une pour les biens affectés, les photos et les cartes postales, IMU, et enfin, un DAM pour gérer les multimédias, Armadillo. Les photos ont été intégrées dans la base IMU afin de continuer la pratique instaurée par Georges-Henri Rivière pour, de décrire les photos comme des objets. Voilà, donc là vous avez une page de la base IMU avec sur la gauche les différents modules. Donc là vous voyez qu'il y a le multimédia, désignation, l'auteur, la création, quoi, ça reprend les registres du coup réglementaires et on décrit les photos de cette façon-là aussi. Par conséquent, depuis 2013, les photos d'enquête collecte, parce qu'on fait toujours des enquêtes collecte, ont un traitement particulier. Avec la généralisation des appareils numériques, les enquêteurs rapportent un grand nombre de photos. C'est pour cela qu'une nouvelle stratégie de traitement de ces photos a été décidée. À son retour, l'enquêteur doit verser ses photos au service des archives du MUSEM. Là, les archivistes vont les traiter par ensemble cohérent, les coter et les décrire comme des archives. Cependant, l'enquêteur va faire une sélection parmi ces photos et cette sélection elle va être inventoriée dans la base documentaire IMU de la même façon que les objets. Elle aura donc sans le statut de bien affecté, bien sûr. Et ces photos auront le fameux préfixe PH. Ça va permettre d'importer cette sélection de photos dans le DAM et du coup de faire remonter les images vers le site internet du musée. Les anciens fonds du MNATP sont numérisés petit à petit. Tous les ans, une campagne de numérisation est organisée avec un prestataire. Donc je réceptionne les numérisations, je les importe dans le DAM et le DAM fait remonter ça vers la base documentaire. Il ne me reste plus qu'à lier les fiches images avec les fiches catalogues correspondantes. Par rapport pour les thèmes traités, les thèmes des photos produites acquises évoluent eux aussi. On a vu plus haut que les photos des albums du musée d'ethnographie du Trocadéro montraient différents types régionaux et des paysages avec les campagnes collecte. On va aborder l'architecture rurale, le mobilier régional, les enquêtes sur certaines régions telles que l'Aubrac ou le Châtillonnais, les techniques artisanales ou les arts populaires. D'autres grands thèmes vont apparaître dans la collection, comme l'agriculture, l'élevage, le cirque ou la vie domestique. Le musée essaie d'évoluer avec la société française et s'intéresse dans les années 90 aux cultures urbaines, comme la campagne sur le skateboard et le graff. Et on va s'intéresser aussi aux grands phénomènes de société, comme le sida ou le football. Bien avant l'ouverture du musée à Marseille, la collection s'ouvre déjà sur les pays de la Méditerranée et de l'Europe, avec des photos prises en Algérie ou en Roumanie. Là, vous pouvez voir une photo d'Alain Leloup
la circoncision en Algérie. Ça, c'est un ensemble de photos qu'on a acquises en 2018. Donc, pour conclure, la collection photographique du MUCEM n'a cessé d'évoluer. Les différentes équipes du musée ont su tenir compte de plusieurs critères, les avancées techniques de ce média et par conséquent des pratiques de son utilisation, les avancées dans le domaine de l'informatique qui ont permis une meilleure diffusion de la collection et l'extension du domaine de compétences du musée. Voilà. Merci beaucoup Nancy. On va réserver peut-être les questions effectivement à la fin des trois exposés, toujours dans ce souci de transversalité hein, sur l'ensemble de la démarche. Et on va aborder l'étape suivante, en fait, le traitement des collections avec Julien et donc la contemporaine. Et les affiches, hein, avec un focus plus sur les affiches. Voilà, donc je vais me concentrer évidemment sur les affiches, même sur absolument des choses absolument passionnantes à dire sur les et à comparer avec les autres supports donc photographiques, originaux ou estampes, mais je vais me concentrer sur les collections graphiques parce que c'était un cas particulièrement intéressant des difficultés de traitement d'une collection graphique qui était particulièrement importante et bien connue des chercheurs et dont le signalement était une question stratégique. Alors je vais l'évoquer de manière absolument très concrète, puisque c'est comme ça qu'elle a été évoquée à la contemporaine, hein, donc en rappelant encore une fois que c'était dans une logique d'installation dans un nouveau bâtiment, une logique de moyens humains relativement limitée, hein, donc le département du musée, donc photo, affiche, objet, c'est maximum une dizaine de personnes en fonction des contrats qu'on a, donc c'était absolument impossible de pouvoir avancer de plein pied et à grande vitesse sur tous les supports, ça supposait un nombre d'arbitrages et donc de faire une réflexion, une sorte d'équilibre entre les logiques, je dirais, de traitement, les logiques politiques et les logiques de contact et de communication, de visibilité avec les chercheurs. Donc ce qu'il faut rappeler, parce que c'est de là d'où vient le problème, c'est un peu très rapidement la question historique. Donc les affiches a été une collection qui était particulièrement présente dans les collections historiques du musée, mais quasiment détruite en 1944 et reconstituée progressivement à partir de 1945. Les aléas de la vie de la BDIC et la difficulté de trouver des installations adéquates ont posé problème pour ranger et collecter ces affiches. C'était un fait concret qui empêchait le signalement. Et donc, c'est seulement à partir des années 70 et l'installation des Invalides qu'on a commencé à pouvoir ranger, trier ces collections accumulées et à pouvoir bénéficier d'une personne affectée à temps plein sur les collections graphiques. Et à partir des années 70, avec le renouveau finalement de l'affiche comme source historique, avec la création de toute une génération de graphistes engagés, la multiplication des collectes sur les mouvements politiques et sociaux en France de la bibliothèque, qui s'imposait progressivement comme un lieu important pour collecter des affiches rares, quasiment introuvables dans le reste de la France, même à la BNF, ces collections ont explosé, donc sont passées en 73 de 20 000 à en 1995, c'est la slide suivante, je crois, à 70 000 affiches, avec évidemment quelque chose d'extrêmement bien fait au niveau de la politique documentaire, des réseaux de donateurs, un travail important réalisé auprès de graphistes, mais avec une dissociation avec la réflexion sur les espaces et les moyens nécessaires pour reclasser et signaler ces affiches. Donc très rapidement, il y a eu une quelque sorte un blocage qui s'est accru de plus en plus au niveau du système entre des collections qui étaient absolument devenaient indispensables en termes de visibilité, qui apparaissaient dans les expositions, et un classement qui reposait de plus en plus, il faut dire concrètement, sur les connaissances de quelques personnes qui connaissaient parfaitement les collections, qui nécessitaient des recherches extrêmement longues pour identifier des affiches quelque part dans des meubles et qui rendaient de plus en plus cette question compliquée. S'ajoutaient évidemment après les questions de numérisation qui devenaient de plus en plus indispensables. Donc il y avait une nécessité absolue finalement de reprendre en main le fond. Et l'occasion a été donnée évidemment avec le projet de nouvel établissement qui a commencé à partir de 2015. Donc les nouvelles perspectives et les nouveaux chantiers, c'était évidemment assurer une visibilité plus grande des collections. Et on en a parlé un peu au début de notre séance. Il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on devait faire comme signalement. Partir d'un signalement à l'unité, c'était de très longues années, continuer avec des signalements absolument partiels de collections, certes ciblés sur des collections relativement importantes, mais aboutir, comme on l'a eu à plusieurs reprises, avec des chercheurs qui pouvaient découvrir 10 ans, 15 ans après leur recherche, qu'il y a eu des fonds extrêmement importants sur lesquels ils étaient passés à côté. Donc l'idée a été de privilégier la visibilité et de promouvoir finalement un signalement par lot d'affiches,
qui s'appuyait sur un système, un classement chronothématique existant antérieurement, qui était celui de la bibliothèque, qui était le système Renouvin, qui avait fait la popularité de la bibliothèque, là, cette fois-ci, puisque on dépouillait systématiquement tous les supports, on les classait par thème, par pays, et donc ce fameux fichier Renouvin a fait l'attrait de la BDIC par sa facilité, les moyens qu'il procurait aux chercheurs pour trouver facilement la documentation dans une documentation ultra spécialisée. Donc, fin 2020, on était arrivé avec 36 000 affiches qui étaient signées à l'unité ou par lot. Quelques fonds avaient été collectés à l'unité dans Calam, ce qui correspond environ à moitié de la collection. Mais évidemment, il fallait poursuivre pour que cette collection soit totalement visible. Et avant de poursuivre, j'ai mis quelques exemples d'affiches, dont certains. Alors, donc évidemment, on commence par les affiches de la commune, mais je m'arrêterai sur la suivante puisqu'elle a été citée ce matin. C'est la fameuse collection du Monde d'Anéum que nous avons, qui est unique en France et d'ailleurs qui est assez problématique, il donne un exemple de la difficulté puisque ces collections évidemment étaient relativement mal documentées, au mieux on avait un numéro d'inventaire, au mieux une date, parfois pas. Par exemple, cette collection du Monde d'Anéum a été redécouverte dans nos collections, on ne sait pas concrètement à partir de quelle époque elle est rentrée. Elle serait venue via un don d'une pacifiste française connue qui a ses archives à BDIC qui s'appelait Gabrielle Duchesne, mais on ne sait pas à quelle occasion, si ce sont des doubles, si ce sont des reprises. Parfois on a des affiches et documents qu'on ne retrouve pas à Mons, parfois certaines sont visiblement issues d'une matrice, et donc il y avait tout un travail de reprise nécessaire, et en particulier pour cette collection qui devait être recotée, resignalée et mise à disposition des chercheurs qui s'intéressaient de plus en plus à cette collection. Encore un autre exemple juste derrière aussi, qui est montré dans l'atelier de l'histoire. Vous voyez quelques autres exemples, les collections des affiches Rosta russes de 1917, qui étaient l'objet, qui sont des affiches extrêmement précieuses, collectées en 1917, qui sont quasiment de manière incomplète, même en Russie, qui avaient été rapportées en France, et qui, par leur état et leur fragilité, nécessitaient un traitement, une numérisation, pour qu'elles soient communicables, et pouvoir répondre à la demande croissante des chercheurs qui venaient spécialement à Nanterre pour les consulter. Une collecte tous azimuts, j'ai donné quelques exemples ici de la guerre d'Algérie, donc aussi bien dans les deux camps qui avaient été faits, et qui nécessitait aussi une mise en ordre pour qu'elle puisse être consultable. Voilà, on affiche de 68, c'est affiche sur le boycott en Argentine de 1978, et toute la génération des graphistes engagés avec Madeleine Vérillon, et qui donc posait une question, puisque ces graphistes arrivent avec des corpus qui était unique, et on se retrouve avec cette question, on a une question chronothématique, et donc si vous avez suivi, jusqu'à 1970-80, toutes les dons étaient éclatés et dispatchés entre finalement les systèmes chronothématiques, ce qui pouvait aboutir à des questions problématiques, puisque des fois, on ne pouvait plus retrouver l'unité du don tel qu'il a été fait si ça n'avait pas été suffisamment documenté. Et donc, superposition d'une nouvelle couche avec des dons qu'on va reclasser, je dirais, de manière orthodoxe par donateur, qui va se superposer au système chronothématique. D'où la difficulté concrètement de s'y retrouver. Donc, vous voyez aussi une belle affiche de Dugudus sur l'écologie. Et donc l'exemple du chantier, c'était comment on reclasse, comment on conditionne et comment on catalogue. Alors évidemment, j'ai voulu m'arrêter un tout petit peu sur l'aspect matériel très concret des choses. Vous en doutez, les affiches, ce sont des très grands formats et c'est ça qui est bloquant la plupart du temps et c'est ça qui justifie le signalement et la numérisation puisque c'était des portfolios d'affiches qui étaient parfois le fruit de collecte et qui n'avaient pas été fait l'objet d'un classement, parfois oui, parfois avec des catégories de classement chronothématique très larges et faits à la vite et qui parfois étaient très vagues et étaient très difficiles pour s'y retrouver. Entre quelque chose de précis, quelque chose qui s'appelle France Culture 45 à 70, c'est vrai que c'était parfois compliqué de s'y retrouver. Donc ça nécessitait de rouvrir tous les portfolios et de les reclasser avec un système qui soit relativement cohérent. Le problème, évidemment, c'était des contraintes matérielles qui étaient relativement lourdes, des contraintes, évidemment, de restauration, et un énorme travail de reclassement et de tri avec la nécessité d'avoir de l'espace qu'on n'avait pas jusqu'à 2017-2018 pour pouvoir reconstituer des ensembles thématiques qui n'existaient plus. Donc la restauration, vous en avez vu que j'ai mis entre quelques exemples, évidemment avec effectivement l'idée d'avoir un pilotage qui soit relativement concret, parce que se lancer dans ce chantier, ça allait avoir aussi la garantie d'avoir des crédits relativement conséquents pour la restauration, sinon ça n'avait évidemment aucun sens. Et donc du coup, la question était vraiment de mettre en cohérence une politique de signalement avec des moyens, une politique de numérisation avec des moyens, une politique de restauration avec des moyens, les trois créneaux devront être cohérents les uns avec les autres, sous peine de bloquer le chantier totalement.
la nécessité de reprendre une cotation totale, puisque l'idée, comme ça a été évoqué pour la BNF, les collègues n'avaient pas attendu, évidemment, 2015 pour essayer de se lancer dans un système de cotation, mais c'était chaque fois heurté au gigantisme de la collection, à la difficulté d'appréhender ces ensembles, et on se retrouvait parfois, en fonction des époques, avec trois systèmes de cotation qui avaient été le fruit de différents débats, qui avaient été tentés, interrompus, faute de moyens humains ou départ de personnes, et donc avec la difficulté d'harmoniser des ensembles avec des essais qui avaient été faits de cotation différentes. Comme vous voyez, pour les affiches, c'était quelque chose d'assez paroxystique. Ils se sont retrouvés avec 3 ou 4 systèmes de cotation, fruits des années 20, 50, 70, 80, et qui avaient été interrompus et qui étaient donc parfaitement inutilisables au bout d'un certain moment. Donc évidemment, ça a bénéficié de l'arrivée dans une nouvelle installation et d'un reclassement systématique afin de faciliter la localisation des fonds, avec évidemment le BABA, l'attribution d'unités de conservation à chaque pochette, à chaque tube, la recréation de pochettes en tant que telle, et donc pour permettre d'arriver au signalement. Alors évidemment, je ne vais pas m'attarder sur l'EAD, on l'a évoqué, mais évidemment, CALAM et l'EAD s'est révélé tout de suite comme la solution adéquate, d'abord en fonction évidemment de son caractère souple, de son caractère hiérarchique qui correspondait parfaitement au système chrono-thématique, et finalement de permettre de hiérarchiser l'information et de pouvoir se retrouver dans la masse des données qu'on envoyait à la numérisation ou qu'on injectait dans CALAM, puisque effectivement, on pouvait effectivement tout de suite rattacher la notice sur laquelle on tombait au niveau de la recherche à un ensemble structuré et facile à utiliser. L'adaptabilité, évidemment, c'était aussi la possibilité de pouvoir commencer ce travail, parce que faire ce travail de signalement par lot, c'était évidemment un certain appauvrissement, c'était donner des métadonnées aux documents, mais les décrire par lot de 40, 50 affiches. Et évidemment, l'étape suivante, c'est de passer à un signalement à l'unité, sur lequel je vais revenir. Et évidemment, l'avantage, le gros avantage de l'EAD CALAM, c'est que ça permet évidemment de créer ce squelette de signalement de chantier qui donne une visibilité et un aperçu quasi complet aux chercheurs des différentes thématiques de la collection, et de pouvoir avancer en fonction des priorités d'une demande simple d'un chercheur, d'un programme de recherche, et de compléter progressivement les trous sans se retrouver comme auparavant avec un système mité où on avait une dizaine de collections qui étaient parfaitement signalées, mais 70% du reste qui ne l'était pas du tout, et donc avec évidemment les frustrations que ça pouvait générer en dehors de ceux qui bénéficiaient des collections parfaitement signalées. L'avantage aussi de l'EAD aussi pour passer, c'était évidemment l'interopérabilité et la capacité aussi d'être moissonné. Une des grandes facilités de CALAM et qui a permis aussi une plus grande connaissance des collections, c'est qu'on est, par exemple, on est moissonné par France Archives sur les fonds patrimoniaux de CALAM, et ça ramène énormément de chercheurs, puisque évidemment le grand enjeu, c'est la recherche pas apparaître sur les moteurs de recherche. CALAM progresse de jour en jour, de plus en plus visible, mais évidemment est parfois moins visible que d'autres. Évidemment, le caractère de l'EAD de CALAM permettait aussi de passer par des briques et aussi d'exporter aussi des IR. Les IR de CALAM peuvent être ainsi exportés très facilement sur Mnesis, et donc le système de consultation de communication sans appauvrissement de données par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur Gallica et le catalogue général, et donc on retrouve les inventaires tels qu'ils sont dans Mnesis. Ils peuvent être aussi facilement transportés dans des outils de projet. Évidemment, l'une des caractéristiques de la contemporaine, nous sommes dans un ensemble enseignement supérieur, mais nos interlocuteurs naturels, c'est évidemment les musées, les bibliothèques municipales, les bibliothèques de recherche. Pour vous donner un exemple, on est en ce moment en train de travailler avec le CODOS, qui est l'ensemble des bibliothèques et archives qui s'occupent d'histoire sociale et qui réfléchit en lien avec Paris 1 à un projet de travail sur les documents militants et l'histoire sociale. Et évidemment, nous sommes face à des bibliothèques de la CGT, la CFDT, qui sont de tout support, de tout rattachement, qui ne peuvent pas évidemment catalogués dans CALAM et qui veulent recréer un outil simple, et ça sera extrêmement facile d'aller exporter les IR qui sont dans CALAM vers cet outil sans devoir reconstruire un nouvel outil et tout recommencer à zéro. Donc bon, j'ai mis quelques captures d'écran de CALAM comme ça, donc les descriptions de pièces à l'EAD, donc évidemment aussi avec des champs, une richesse de champs qui permet de compléter et d'avancer, de construire progressivement cette description, puisque à l'origine, le signalement par lot, parfois les données sont extrêmement rares, donc en dehors de dates, de formats et du reste, on peut difficilement aller au-delà, il nécessite un travail plus fin en lien avec les chercheurs ou sur un projet plus prioritaire qu'on peut, comme je l'ai dit, compléter au fur et à mesure. Donc vous avez deux exemples de description à l'unité et par lot en général.
Et donc on a voilà, le cadre de classement. Alors évidemment, le choix de Calam a été aussi justifié par le fait que nous sommes une bibliothèque, nous sommes des archives du musée, nos collègues des archives catalogués dans Calam. Donc l'intérêt, c'est évidemment, il y a eu d'énormes discussions de groupes de travail, on a cherché évidemment la baleine blanche, quelque chose qui aurait pu unifier la bibliothèque, les archives et le musée, vous en doutez, ça n'existait pas. Mais notre souci, avec les enquêtes qu'on a menées auprès de nos chercheurs, nos lecteurs, c'était d'éviter au maximum la multiplication de bases, qui sont certes très intéressantes et qui correspondent à des formats ou à des réseaux et qui sont un peu notre, je dirais, vous me permettrez, notre péché mignon, mais qui passe à côté parce que les chercheurs sont ou beaucoup de mal à s'y retrouver dans toutes ces bases. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un point d'entrée unique, Calam, et donc de pouvoir finalement rester fidèle à la vocation de cette bibliothèque, que permettre à un chercheur de pouvoir au moins comparer sur un même ensemble les objets, les peintures, les cartes postales, les photos et donc les affiches dans un même cadre de classement, tout en mixant, comme vous le voyez, une approche historique qu'on a appelée les collections la contemporaine et qui regroupe cet aspect chronothématique, et les fonds des archives qui sont classés dans les fonds particuliers de collectivités, et nos fonds, nous, récents, de donateurs qui apparaissent comme un fonds relativement cohérent. La souplesse de Calam permettant aussi des renvois entre le chronothématique et les fonds particuliers, ce qui est relativement pratique aussi également. Donc vous voyez un exemple sur la description des affiches, donc, qui reprend ce système chronothématique par période chronologique. Puis on descend à l'intérieur et on trouve un certain nombre de thématiques qui sont les thématiques qui correspondent au reclassement et au tri des affiches telles qu'ils ont été opérées, qui sont des termes relativement simples et dont le but est finalement de faciliter cette consultation, cette logique documentaire qui était celle de l'établissement depuis le départ. Donc quelques exemples, vous voyez, d'affiches qui sont concernées, qui ont été faites récemment, donc en particulier les LIP, sur lesquelles on a un fonds extrêmement, extrêmement important. Alors un pari pour demain, évidemment c'est un pari parce que j'ai valorisé le positif, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait du positif comme du négatif. Le but c'était assurer une visibilité à tout prix dans le cadre d'un nouvel établissement, vis-à-vis d'une tutelle, vis-à-vis d'un nouveau public, mais au prix d'un signalement plus sommaire. Et en fonction des retours, des chantiers ou des partenariats, évoluer vers une approche plus sélective et ciblée. Le but était aussi de s'articuler dans une politique de site. Qu'est-ce qu'on doit numériser parmi les collections d'affiches? Qu'est-ce qu'on doit communiquer en salle? Il y avait une normalisation de la communication des collections d'affiches qui devait se faire dans la même salle que les imprimés. Et donc le signalement, c'était non seulement préparer la numérisation, mais aussi préparer le signalement des affiches et permettre à des collègues qui ne sont pas forcément spécialistes de pouvoir accéder, de communiquer facilement à ces affiches. Donc il y a toute une réflexion aussi, une logique là-dessus, et aussi une politique de numérisation. Alors, je serais un peu plus nuancé, parce que la politique de numérisation, c'était envoyer 8 à 9 000 unités quasiment tout compris, je veux dire, par an à la numérisation. Donc, évidemment, ça suppose, c'est pas possible de faire un signalement, on l'a dit tout à l'heure, de faire un signalement à l'unité, pour la plupart. Évidemment, une cotation, des métadonnées de base pour l'unité, mais on signale par lot de numérisation de 40 à 50 documents. Donc, évidemment, ça conduit à un certain appauvrissement, on l'a dit, parce que, évidemment, ça noie un peu une unité à l'intérieur d'un ensemble, mais c'était la seule manière de pouvoir numériser et d'assurer le passage dans ces chaînes de numérisation avec un certain nombre d'exigences quantitatives telles qu'il nous l'était demandé. Et donc, du coup, il y a finalement un certain nombre de reprises. Voilà. Et donc, évidemment, la seconde étape qui va s'enchaîner à partir de l'année 2023-24, c'est un retour sur ces ensembles qui ont été signalés, qui sont pas tout à fait terminés. On est sur la fin, ça sera fini pour l'été, normalement, l'été 24. Un passage et un signalement plus fin et surtout basé sur les autorités, puisque, pareil, les autorités, on avait été relativement, pour des raisons de temps et de construction, on avait limité le nombre d'autorités sur nos notices. Et évidemment, on doit travailler avec quelque chose de plus fin. Donc, évidemment, on avait pu compenser avec la souplesse de Calam. Donc, on avait pu abuser du scope content et d'un signalement relativement libre pour compenser le signalement par lot. Maintenant, il faut passer à quelque chose de plus structuré. Mais ça n'empêchera pas quand même de pouvoir continuer à profiter des facilités de Calam, parce que comme on le disait tout à l'heure sur l'indexation par autorité, on se retrouve souvent pour nos collections, en particulier les collections graphiques, avec des lacunes relativement importantes quand on cherche dans IDREF les autorités, donc à la nécessité de créer un grand nombre d'autorités pour décrire de manière pertinente le travail. Donc un signalement plus fin et surtout un travail en réseau.
Alors c'est le travail qu'on a en fait, pas plus tard que la semaine dernière, on était au département des estampes avec les collègues, puisque évidemment une des faiblesses des collections graphiques et ethnographiques, c'est qu'on n'a pas vraiment un réseau aussi constitué, aussi structuré que pour le livre. Donc travailler avec les collections au niveau des collections qu'on a, nos interlocuteurs, évidemment, la BNF, le Musée des Arts Décoratifs, mais travailler aussi avec tous les collègues des bibliothèques municipales, institutions culturelles, puisque le problème qu'on a, c'est qu'on a des effets de bord entre des logiques de numérisation. On peut avoir des ensembles qui vont correspondre à des pans entiers de l'histoire locale qui vont être numérisés là où il y aura des collections encore plus importantes et complètes en région mais qui n'auront pas été signalées, numérisées pour des raisons ou pour d'autres raisons, ou à l'inverse éviter de doublonner et d'aller partir dans un sens qui est en train d'être opéré ou effectué par une bibliothèque en région qui a une collection bien plus importante que la nôtre. Et c'est vrai que la réflexion qui s'est opérée avec Collex et le travail du groupe Cartographie et donc qui a abouti au versement d'un certain nombre de notices dans le CCFR permet, c'est un premier pas timide, mais qui est déjà réel, permet d'avancer, permet de discuter, mais on est encore évidemment au début parce qu'on se retrouve tous avec des logiques. Nous, c'est la logique Calam, mais d'autres établissements visent parfois des logiques qui puissent intégrer des choses beaucoup plus intégrées au terme de leurs outils de description. Mais évidemment, ça permet d'avoir une masse de données nécessaires et d'aboutir. Et le choix qui a été fait de ce travail signalement par l'eau et par Calam, on l'espère, ça nous évite d'être trop enfermés, de pouvoir garder une certaine souplesse pour pouvoir évoluer vers d'autres outils ou pour permettre de coopérer en dehors de la sphère ESR, puisque pour nous c'est vital, puisque nos interlocuteurs sont dans la sphère ESR, mais tout aussi largement, vous l'avez compris, en dehors. Et voilà, je m'arrête là. Peut-être un petit mot pour la diapo sur les fonds signalés dans le CCFR. C'est ce que je disais à l'instant. Donc, c'est, je veux dire, les premiers résultats qu'on peut avoir avec des fonds qui sont décrits, qui sont versés, avec parfois une logique de versement pour correspondre à pouvoir mettre. C'est l'objet du groupe Cartographie de Collex, qui permet de mettre un certain nombre de données et pouvoir disposer d'un, je dirais pas un outil commun, mais un prototype d'outil sur lequel les chercheurs pourront retrouver à la fois ce qui est signalé dans des BMC classés, ce qui est dans la BNF et ce qui vient de nous, et donc pouvoir comprendre, ce qui n'est pas évident pour eux, les différents réseaux finalement qui convergent, qui ne sont pas forcément signalés de la même manière et dans les mêmes enjeux. Et peut-être une question aussi basée sur les autorités, parce que bien souvent, effectivement, on dit que l'EAD, justement, n'a pas autant d'autorité que le MARC. L'idée, c'est de charger, effectivement, des référentiels, en fait, sous le mot autorité. C'est de IDREF, quoi. Avec le travail que je te dis qu'il faut accomplir sur IDREF pour le faire évoluer, les groupes de travail qu'il faut mettre en place. D'accord. Je vous propose d'attendre effectivement la fin du troisième exposé, mais vous voyez, on est au cœur de la thématique, hein, qui est vers la convergence des pratiques, avec effectivement une solution assez concrète en fait, pour travailler tous ensemble en fait, à un meilleur signalement des collections iconographiques. Merci beaucoup. À mon avis, il y aura d'autres questions, hein, qui vont venir par la suite, mais je vais tout de suite passer la parole à Virginie pour un autre exemple en fait, de projet collaboratif avec à la fois les plus et quelquefois aussi les difficultés rencontrées lors de la mise en place de ce projet. Alors, évidemment, pour l'importance de la suite de mon propos, je vais vous présenter rapidement les trois musées départementaux des Hauts-de-Seine, en commençant donc par le musée départemental du domaine de Sceaux, qui, donc cette année, nous fêtons le centenaire de l'acquisition par le département de la Seine du domaine de Sceaux. Ancienne propriété de Colbert ou du duc de Penthièvre ou du duc de Maine par exemple, qui est donc est devenu en 1937 le musée de l'Île-de-France et qui en 2015 a pris le nom du musée du domaine de Sceaux en abandonnant un petit peu ce côté lié à l'Île-de-France. En 1950, s'y installe un centre de documentation qui aujourd'hui conserve, outre des ouvrages et des périodiques, mais également donc 28 000 cartes postales et 3 000 photographies. De son côté, le musée, lui, continue évidemment à conserver du mobilier, des peintures, des livres anciens, et un fonds Adjet, 900 tirages du photographe Adjet, qui est un don du musée Carnavalet. Le second musée, c'est le musée départemental de la Vallée au Loup, ou maison de Châteaubriant,
Le musée a été, où a vécu évidemment François de Chateaubriand, a été acheté donc par le département en 1967, qui en fait une maison d'écrivain patrimonial dédiée à Chateaubriand et au romantisme. On y retrouve donc un musée où l'on peut imaginer la vie de l'écrivain et une bibliothèque qui réunit les œuvres, les études et les critiques de et sur Chateaubriand, ainsi que de la littérature romantique, dans un contexte évidemment historique et politique. Ils sont conservés pas moins de 16 000 volumes, mais aussi des manuscrits, des estampes, et le musée conserve de son côté du mobilier, des tableaux, etc. Le troisième musée, c'est le musée départemental Albert Kahn. Donc Albert Kahn, en 1895, acquiert un énorme terrain à Boulogne-Billancourt, terrain qui va le transformer d'un côté en un jardin harmonieux, et aujourd'hui je pense que tout le monde ou plus ou moins connaît le jardin japonais ou la forêt vosgienne. Il y installe une fondation et les laboratoires photos pour les archives de la planète. En 1936, le département de la Seine rachète l'ensemble à son propriétaire pour les transformer en musée départemental, mais qui ne verra le jour qu'en 1986. Lors de sa réouverture, après des rénovations en 2022, lui est octroyé donc un centre de documentation sur les thématiques des jardins et de la photographie. Ce centre de documentation gère également des archives privées et tous les dossiers documentaires liés aux collections muséales. Collections muséales qui comportent 69 000 photographies et films, dont les autochromes liés aux archives de la planète. Donc, nous avons maintenant mis en place nos six endroits. Chacune donc de ces six bibliothèques, centres de ressources, travaillait de son côté, souvent de façon isolée et sur un outil informatique différent. Du coup, devant l'obsolescence de SynDoc, l'inadaptabilité de Gaïa pour la bibliothèque des archives, voire de l'inexistence d'un système de gestion au musée Albert Kahn, il a été décidé en 2017 de mutualiser un outil de gestion pour ces six bibliothèques. Donc, il a fallu un certain nombre de réunions, comme vous pouvez l'imaginer, pour rédiger le cahier des charges, pour finalement choisir Flora, donc de chez Décalogue. Une fois le choix arrêté, il a fallu d'autres rencontres de travail pour que nous puissions fournir à Décalogue un tableau unique pour la reprise des données en Unimark, alors qu'aucune bibliothèque n'utilisait l'Unimark. Pour que nous nous mettions d'accord sur les définitions de cotes, définitions d'exemplaires, sur la forme des autorités, sur les champs à adapter et notamment sur les fonds iconographiques. Toute l'iconographie est décrite à la pièce. On n'a pas de lot, tout est à la pièce. En 2020, les six bibliothèques ont retrouvé en partie leurs fonds dans un catalogue commun. C'était évidemment sans compter sur les aléas informatiques et humaines. Les décalages dans les nombreuses lignes des tableaux de reprise, c'est fatal. Et les incompatibilités diverses et variées, notamment le téléchargement de Gaïa, c'est juste un enfer. Aujourd'hui, nous avons donc dans notre catalogue commun 119 246 notices de documents, dont 21 000 dossiers documentaires, plus de 9 000 travaux universitaires, à peu près 8 000 cartes postales, 2 500 photos, des partitions, des vidéos, bref. Le travail en transverse se poursuit, puisque nous continuons à nettoyer les inévitables doublons, notamment dans les tables autorités. Nous veillons à une bonne harmonisation des pratiques en catalogage, mais également dans l'exemplarisation. Je vous ai mis un exemple donc, du résultat sur Flora d'un ouvrage qui est possédé donc, dans trois bibliothèques sur le département. Et puis, le
centre de Sceaux avait créé un thésaurus, hein, puisque c'était lui qui possédait le plus de cartes postales et de photos, en tout cas dans le centre de documentation. Donc il avait créé un thésaurus, alors que les autres bibliothèques utilisaient du vocabulaire libre. Donc aujourd'hui, nous avons importé le thésaurus, chose très importante, et nous faisons basculer notre vocabulaire libre vers le thésaurus, donc nous faisons évoluer le thésaurus pratiquement quotidiennement. Et le point fort, surtout, c'est que maintenant, nous continuons à nous réunir pour travailler donc, sur des points plus spécifiques comme l'indexation ou le traitement des périodiques. Et une chose qui est certaine, c'est que si nous n'avions pas fait ce catalogue commun, en aucun cas, nous aurions travaillé ensemble. Nous aurions continué à travailler chacun de notre côté et sans même savoir ce que nos différents fonds recelaient. Y compris d'ailleurs au sein de la direction des archives départementales où il y a les trois bibliothèques qui sont complètement différentes. Alors, lors du choix du SIGB commun, il était évident pour toutes les institutions qu'un portail était la suite logique. Hein. Donc, la première idée était de mettre le catalogue commun à la disposition du public, puis évidemment de valoriser les différents fonds détenus par les bibliothèques du département. Le portail est né donc en janvier 2022. Il présente dans un premier temps les six bibliothèques. Vous voyez la page sur votre droite. Donc les six bibliothèques, le catalogue qui a aujourd'hui 93 000 documents à peu près, tout confondu, hein, photos, ouvrages, mémoire de maîtrise, thèse. Il permet donc de localiser les documents, donc en fonction des centres qui les possèdent, de proposer pour certains titres de la numérisation, c'est le cas par exemple pour les incunables de la bibliothèque d'Eguin, qui sont en partie numérisées, ou d'autres éditions rares de la bibliothèque d'Eguin, ou les photos, par exemple, qui sont toutes numérisées. Prochainement, nous mettrons en ligne des brochures anarchistes. Elles ne sont pas anarchiques, elles sont anarchistes, de la bibliothèque souvarine. Et puis, donc, le portail, c'est l'outil de valorisation des bibliothèques, au travers de trois possibilités, les actualités, les sélections de documents ou les dossiers, les bibliothèques réagissent à l'actualité et à l'actualité de leurs institutions, commémorent, présentent leurs dernières acquisitions, partagent leur savoir-faire, font découvrir des raretés et évidemment participent à la diffusion de connaissances. Les deux prochaines diapositives, je vous ai fait un exemple de recherche. Sur celle-ci, dans la première, j'ai recherché donc par mots-clés le terme Boulogne-Billancourt. Vous voyez que nous avons 560 réponses qui sont réunies donc, dans les six bibliothèques. Vous pouvez y trouver 345 ouvrages, brochures, catalogues d'expositions, mémoires universitaires par exemple. Également 86 titres de périodiques. Et pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, vous y verriez également 101 cartes postales et 28 photos. On peut évidemment faire une restriction par typologie de documents, par site également. Je vous ai mis en exemple une photo qui correspond à la grande crue de 1910 d'une vue de l'île Séguin et de l'île Saint-Germain. Donc photo qui apparaît et que vous pouvez voir sur le site. Sur le second exemple, j'ai pris un sujet un peu moins drôle, mais la guerre franco-allemande de 1870-71, qui pourrait bien impacter notre territoire. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez un grand nombre de réponses, autour de 480, que là j'ai trié par typologie. Sur la diapo à gauche, vous avez les notices de réponse de documents imprimés, donc avec la couverture de ces documents. Et sur la droite, vous avez d'autres exemples de photographies. J'aurais pu également vous mettre un exemple pour trouver des affiches à la bibliothèque d'histoire sociale lors d'une recherche sur des mots-clés comme l'anticommunisme, par exemple. Donc ça, ce sont des exemples. Là, on est dans... Enfin voilà, une des réalisations du portail. Et pourtant,
Si je reviens sur ma première recherche sur Boulogne-Billancourt, moi je sais, on va passer à la dernière slide, ou à l'avant-dernière, pardon. Moi je sais que dans le fond de nos six sites, il y a des affiches administratives ou publicitaires. Il y a des photos d'adjet, il y a des autochromes, il y a des peintures, il y a des estampes, il y a d'autres gravures qui ont toutes pour indexation Boulogne-Billancourt. Ces différents documents ou objets, si on parle des peintures, sont conservés dans les musées et dans les archives départementales, mais pas dans leur bibliothèque. Pour les retrouver, aujourd'hui, le chercheur doit aller sur les sites institutionnels des musées, sur leur portail images, ou en ce qui concerne les archives départementales, sur l'open data et du département, et pour cela utiliser à nouveau d'autres moteurs de recherche. Cette distinction s'explique en grande partie pour deux grandes raisons principales, voire trois. La première concerne les musées, qui sont soumis à la réglementation des musées de France, et donc d'une description très précise pour lesquelles ils ne se voyaient pas adapter les champs Unimark que nous avions retenus, nous, pour Flora. La seconde, elle est d'ordre plus technique, puisque à la base, le système de gestion, par exemple, des archives départementales ne permettait pas de mise en ligne, d'où le contournement par l'utilisation de l'open data. Bon, il se trouve que Gaïa, devant son obsolescence, devrait bientôt disparaître des archives, remplacée par, a priori, peut-être l'IGO. Et à partir de ce moment-là, tous ces documents iconographiques retourneront sur le site des archives. Il n'est donc évidemment pas évident, et là je vais à l'encontre de la BDIC ou de la contemporaine, du coup, pour le public d'être au fait de toutes ces informations. Et même s'il compulse les différents sites internet, il risque de passer à côté d'une partie des données conservées. Le public doit compléter systématiquement ses recherches sur le portail des bibliothèques par de nouvelles recherches sur les sites institutionnels des musées et des archives départementales. Il y aurait bien une solution, sous la forme d'un portail des portails, avec un moteur de recherche commun. À ce jour, il n'en est pas question, mais la préparation de cette journée a soulevé des observations et des questions, et c'est déjà un bon début. Je vous ai mis une petite sitographie, si vous voulez, après, vous rendre sur les différents sites dont je vous ai parlé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez entendu les trois interventions de cette table ronde. Et donc, on va rentrer effectivement dans la partie questions. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir répondre à vos questions sur les différents sujets abordés, sachant que Corinne est toujours là. Et donc, la possibilité, effectivement, de poser des questions plus générales, en fait, sur l'ensemble des trois exposés. Mais vous avez vu aussi l'attention du comité d'organisation des journées patrimoine écrit. C'était effectivement d'avoir différentes solutions. Et effectivement, que ce soit le format marque, que ce soit le AD, on voit effectivement qu'il peut y avoir des stratégies. L'essentiel est de penser public et de penser effectivement le signalement le plus exhaustif possible des collections dans l'intérêt effectivement de la recherche et des publics. Donc, c'est des conditions pour reprendre le titre effectivement de nos journées, que l'image prenne le dessus et qu'on réponde effectivement pleinement aux attentes de plus en plus nombreuses de nos lecteurs et de nos publics. Donc la parole est dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion de les poser. Ah, pardon. Bonjour, Noël Colombier des Archives de Marseille, lié aussi également à la Bibliothèque de Marseille. Nous travaillons actuellement sur un projet transversal, justement, de mise en ligne des documents iconographiques des archives des musées et des bibliothèques. Donc, on s'est posé les mêmes questions que vous, existentielles, s'il en est. Et j'aurais plutôt une question à vous, professionnels, pour savoir quelle est l'actualité des recherches et des projets, disons, sur la question des thésauries. Qui sont posés et par les bibliothécaires et par les archivistes. Est-ce que justement il y a ce travail de mise en commun des vocabulaires au-delà des questions de la transition bibliographique?
venir, peut-être Julien ou Virginie ou... C'est une bonne question. Alors côté archives départementales, chacun travaille de son côté sur l'indexation. Nous, alors le côté positif, c'est qu'on a un vocabulaire libre, donc du coup. Les photos sont très détaillées en termes dont on parlait tout à l'heure avec la BNF de Rameau. On essaie de coller à Rameau, mais finalement pas tant que ça, parce que, en effet, les photos, on les détaille au nom de la rue, enfin très très finement. Donc on a ce thésaurus qui existe et qui est créé de toutes pièces et qu'on alimente. Aujourd'hui, les archives départementales des Hauts-de-Seine sont en train de se poser justement d'utiliser, alors peut-être pas ce thésaurus, mais en tout cas de s'y rapprocher. Parce qu'en fait, pour eux, c'est à ce niveau-là que ça pêche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Claire, oui. Oui, Claire Aquet, Nancy, j'imagine qu'il fallait bien que quelqu'un la pose, cette question. Avons-nous aujourd'hui, avez-vous au ministère de la Culture ou à l'enseignement supérieur, la plus petite idée des tendances en termes de catalogage d'images fixes dans les bibliothèques, dans les établissements? Est-ce que vous avez vaguement une idée de combien de bibliothèques cataloguent en marque, combien cataloguent en EAD, combien cataloguent en autre chose? Et évidemment, la question suivante, c'est quelle quantité de documents sont à cataloguer, ce qui pourrait éventuellement guider des directives nationales s'il s'agit de mettre en place un plan aussi ambitieux que celui du catalogage des manuscrits. Après, je sais que ma voisine, elle doit avoir 2-3 idées, mais bon. Pierre-Jean, Jérôme ou Marie-Odile ? Alors, je veux bien prendre Jérôme. Non, il n'a aucune donnée. On n'a rien, on ne sait pas. Donc c'est certainement l'objet soit d'une enquête du ministère, soit d'une mission pour l'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche, qui demandera qu'on vous interroge. Il faudra que vous répondiez. Donc ce n'est pas pour demain. Mais je pense que l'intérêt aussi de ces rencontres, c'est de montrer... les choses à faire, même si la montagne est très haute, escarpée, c'est une très bonne question, évidemment. Pour tout dire, c'est une question qu'on s'est posée dans le comité d'organisation, mais comme on organisait les journées, on ne pouvait pas lancer l'étude. Mais effectivement, c'est bien qu'à l'issue des journées, on identifie ce manque. Alors, effectivement, dans le plan d'action pour le patrimoine écrit, l'étude initiale de Gérard Cohen, Dominique Coq, on a des éléments, mais qui datent de ce qu'on a évoqué, 2005. Et c'est vrai que les collections iconographiques n'étaient pas forcément le principal objet qu'on cherchait à qualifier. C'était plus les imprimés, les manuscrits, les périodiques, comme on l'a mentionné. Et puis, il y a aussi, il faut le mentionner aussi, l'inspection générale des bibliothèques, Hélène Richard, dans au moins 2 rapports, avait pointé en fait, l'absence, effectivement, de catalogue collectif pour les collections iconographiques et le défaut de connaissance en fait, de ce qui était bien signalé en termes de collections iconographiques. C'était un des souhaits, effectivement, que les collections iconographiques aient pleinement un plan d'action ou une stratégie de signalement. Je vais peut-être compléter les réponses pour MESR, Marie-Odile Liano pour le MESR. Pour préparer en fait, les journées, j'ai fait une petite recherche à partir de collègues percés, en me disant on devrait avoir un état des lieux pour le MESR. Et force est de constater que les projets collègues percés sur l'iconographie n'existent quasiment pas. Donc je ne sais pas quelle conclusion on doit en tirer à ce stade. Mais par contre, ça soulève un certain nombre de questions. C'est vrai qu'au sein de l'ESR, sur les groupes de réflexion,
Autant je trouve qu'Alam finalement fait quasiment l'unanimité pour tout ce qui est le signalement des manuscrits et évidemment des archives. Sur l'iconographie, les photos commencent à s'imposer. Autant il y a encore de grosses discussions, par exemple évidemment sur les affiches ou sur les objets, parce que c'est vrai qu'on s'interroge sur le support en tant que tel et sur sa capacité à intégrer les nouvelles logiques de description. Je n'ai pas parlé des objets, mais c'est un champ absolument fascinant, parce que enfin, déjà, c'est un champ qui regroupe différents supports, donc c'est vrai que c'est relativement compliqué à déterminer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même une préoccupation grandissante, parce que dans tous les groupes de travail, quand on parle avec le muséum ou le CNAM, c'est vrai que tout le monde redécouvre un peu les collections iconographiques et d'objets qui étaient dans les réserves des uns, les salles patrimoniales des autres, et se rendent compte de leur valeur. Et donc il y a vraiment une vraie prise de conscience. Je vais juste rebondir. C'est vrai que dans l'absolu, Claire, il n'y a pas de données, mais on pourrait avoir des données. Alors après, il faut prendre le temps. Juste pour les bibliothèques de dépôt légal imprimeur, tout ce qui est documents spécialisés, collectés depuis 1943 jusqu'à nos jours, vous avez des affiches. Donc après, il faudra que je reprenne toutes les stats, mais on aura les données. Au moins pour tout ce qui est collecté au titre du dépôt légal imprimeur. Je vais vous proposer un jeu. Je vais poser une question aux gens qui travaillent en bibliothèque. Après, je poserai aux collègues qui travaillent en archives et aux collègues qui travaillent en musée. Qui catalogue en Intermarc ? Vous levez la main. Première question, bibliothèque. Qui catalogue en Intermarc ces images ? En marque. Alors, c'est quoi la... Format marque, on va dire. Format marque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Gardez-les. 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 là. Ça fait 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Qui catalogue en bibliothèque un EAD ? Alors, il y a peut-être qui font les deux, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 33, si j'ai bien compté. Marc, contre, j'ai dit con 15. Alors, il y en a qui font les deux. Qui fait les deux ? Tu peux noter, s'il te plaît. Alors, il y en a qui font les deux, oui. 1, 2, 3, 4, si je compte bien. 4 de ce côté. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je compte 16 qui font les deux, qui seront à ôter au 33 et au 15. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a 15 à EAD et 16 qui font les deux. Mais bon, on peut dire que ceux qui font EAD, ils font aussi. Hein, ils font aussi bon, ça donne quand même des ordres. Et pour les archives, est-ce qu'il y a, je vais commencer par le plus simple, est-ce qu'il y a des gens qui cataloguent en marque un archive hein, bon, à EAD. Oui, tout le monde. Oui, il y a des gens des archives, Didier. Il y a des gens des archives. Bon, de EAD, c'est clair. Est-ce qu'il y a, en musée, voilà, est-ce qu'en musée, il y a des gens qui cataloguent au format marque ? Est-ce qu'il y a des gens des musées ? Vous êtes la seule, je crains. Vous êtes... Non ? Non, pas musée. Alors, EAD, marque ? Non, je disais juste que c'était assez récent finalement qu'on s'intéresse dans les bibliothèques à l'image tirée à part, et que dans les musées c'était pareil parce qu'on s'intéressait aux belles œuvres et que l'estampe n'intéressait que dès lors qu'elle renseignait sur une œuvre unique disparue.
Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui reste. Et quand on parle de catalogage, on parle de technique, mais on ne parle pas aussi des savoir-faire, connaissance des techniques d'estampes, etc. De toutes ces techniques qui permettent de cataloguer. Je m'aperçois qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle de techniques, mais pas des techniques de la production d'images. Alors, au Musée national des traditions populaires, l'ancêtre du MUCEM, Jean-Henri Rivière a toujours porté beaucoup d'importance justement aux estampes et aux dessins d'ailleurs, puisque dès le départ, il avait fait décider qu'il y aurait 3 inventaires différents, un inventaire spécifique pour les estampes, un inventaire spécifique pour les dessins et un inventaire spécifique pour les objets. Ce qui fait que jusqu'en 1945, on peut avoir des triplons de numéros d'inventaire, puisque un objet peut avoir le même numéro d'inventaire qu'une estampe ou qu'un dessin. Voilà. Alors, je vous annonce les résultats de la dernière enquête du ministère de la Culture sur le catalogage des images en bibliothèque. Il y a à peu près plus de 50% des bibliothèques qui cataloguent seulement un Unimark, un peu moins de 50% qui cataloguent un Unimark et un EAD. Donc néanmoins, on voit que le Marc est quand même majoritaire. Donc voilà les résultats de la dernière enquête du ministère de la Culture. Oui, on n'a pas fait le distinguo en enseignement supérieur. Bon, on vous promet qu'on fera cette enquête. Je ne sais pas si on pourra l'inclure dans le bilan qu'on vous fera l'année prochaine, dans la diapo bilan. Bon, je ne sais pas si on pourra vous donner les résultats de l'enquête, mais j'espère qu'on pourra vous dire qu'on a lancé l'enquête sur le sujet. Alors, je voulais juste préciser ce que disait madame sur la question de la technique de production de l'image, qui effectivement est un vrai sujet, parce que le domaine de l'estampe en particulier, c'est un domaine qui n'est pas forcément toujours très bien connu. Et je voulais préciser que l'Institut national du patrimoine a dans sa brochure de formation continue, alors je ne sais pas si c'est ouvert aux bibliothèques, ça je ne peux pas vous dire, enfin, en tout cas, c'est ouvert aux bibliothèques, a un programme qui est, enfin, un stage autour des techniques de l'estampe, estampes anciennes jusqu'au 18e, puis 19e, 20e, stages qui sont assurés par le département des estampes et de la photographie. Et je sais que c'est un stage qui est extrêmement demandé et que ce besoin que vous évoquez, il est également ressenti dans les musées, parce que chaque année, ils refusent à peu près la moitié des demandes. Voilà. Il y a un vrai besoin, ne serait-ce que pour faire remonter la cote, si je puis dire, en particulier de l'estampe, qui est un support absolument merveilleux, même si c'est un multiple. Est-ce qu'il y aurait encore l'une ou l'autre question pour profiter en fait, de ce temps d'échange et d'identification des besoins, hein, c'est aussi un élément important. Alors, Fabienne Gelin à Vichy, juste pour exemple, on est évidemment une toute petite collection par rapport aux ensembles qui ont été présentés, mais on s'est heurté au même problème de choix entre EAD et Unimark. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai levé la main deux fois? C'est parce qu'on a pris le parti de continuer de décrire les documents en Unimark, dans un ISBD classique, mais l'organisation et l'affichage des images ne nous convenant pas dans l'outil Orphée qui nous était proposé, on l'a retravaillé et l'organisation des images, elle, est selon une arborescence EAD. Et on finit par avoir un produit, un affichage qui, apparemment, au retour qu'on a de nos chercheurs et notre public, est plutôt satisfaisant. Alors encore une fois, hein, sur des ensembles, on a pour l'instant commencé essentiellement par les cartes postales et c'est 8000 cartes postales pour l'instant seulement. Mais voilà, on continue d'enrichir et on a testé ça avec les cartes postales et on pense qu'on va le décliner sur les autres supports iconographiques. Merci pour ce témoignage. Séverine Montigny. Oui, Séverine Montigny de la BHVP. Je voulais savoir... ça pourrait être un élément aussi d'enquête. Comment les fonds iconographiques apparaissent dans le CCFR en dehors d'éventuels inventaires en EAD qui sont dans la base manuscrit, archivé manuscrit? Est-ce qu'il y a des notices d'iconographie qui remontent dans les autres bases patrimoine et imprimées multimédia? Alors,
Parce que, en fait, pour compléter ma question, il me semble que dans le choix qui pourrait être fait de manière stratégique et collective entre EAD et Unimark, il y a quand même une notion d'interopérabilité des notices qui est fondamentale, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite pouvoir localiser les différents exemplaires d'une même estampe partout en France, comme on le fait pour les imprimés, enfin pour les livres imprimés, ou est-ce que, comme on l'a fait à la BHVP, on est dans des logiques de description rétrospective de masse et donc des logiques de visibilité d'établissement qui consistent, comme à la contemporaine, à résorber un retard de signalement. Et donc on a opté pour l'EAD de manière à pouvoir donner une vision de l'ensemble assez rapidement. Et donc voilà, je posais cette question de l'état du CCFR pour donner des éléments de choix. C'est à qui je passe la parole côté BNF ? Parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de représentants de la BNF, effectivement, avec nous. Oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien écouté la question. Donc, en fait, ce que vous, vous vous demandiez, c'est en fait comment étaient référencées en fait les estampes dans le CCFR. Donc, en fait, à l'heure actuelle, l'estampe dans la base patrimoine, sur 9 600 000 notices, on doit en avoir à peu près 60 ou 70 000 qui sont des estampes. Donc, effectivement, on peut penser que les estampes sont tout à fait sous-représentées dans la base patrimoine par rapport à la réalité des collections. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, nous intégrons dans la base patrimoine ce que les bibliothèques nous envoient. Et très souvent, en fait, dans leurs exports, les bibliothèques privilégient les imprimés. Et peut-être parce que les campagnes de rétroconversion ou de catalogage rétrospectif portent en priorité sur les imprimés. Et que l'estampe est peut-être aussi cataloguée de manière incomplète dans les collections. J'ai rencontré lors de déplacements beaucoup de collègues en région qui m'ont parlé de fonds d'estampes qui, dans la réalité, étaient effectivement beaucoup plus importants que ce que le SIGB de la bibliothèque comportait, effectivement. Donc, ce total qui est très réduit par rapport à la volumétrie de la base, il reflète peut-être effectivement un catalogage très partiel de ce support dans les bibliothèques. C'est Alexandre Chotan, du département coopération, qui est intervenu et qui peut répondre à d'autres questions, si vous le souhaitez. Sachant que je crois me rappeler effectivement que des personnes comme Bernard Huchet, qui était responsable des fonds anciens à Caen, a beaucoup catalogué effectivement des estampes en format marque. Et je pense qu'une partie en fait de ceux qui sont présents dans la base patrimoine peut venir aussi de Caen notamment. On a également Jocelyn Bocquiard qui à la bibliothèque Sainte-Geneviève qui a mis en avant le format marque. En fait, en travaillant sur les journées d'études, on s'est rendu compte effectivement que c'est vrai que format marque EAD était vraiment un sujet de débat. Et c'est pour ça qu'on le pose aussi aujourd'hui devant vous, c'est trouver des stratégies effectivement pour dépasser en fait ce... Puisqu'on avait un certain nombre de collègues qui disaient on ne sait pas s'il faut se tourner vers l'EAD, s'il faut le faire en marque, et puis finalement on est au milieu du guet et on fait rien. Et donc pour aller au-delà, on pense qu'il y a des solutions informatiques, il existe des passerelles de l'EAD vers le marque, du marque vers l'EAD. On voit aussi les stratégies qui ont été utilisées aussi bien aux archives départementales des Hauts-de-Seine qu'à la contemporaine. Il y a des solutions techniques. La technique est là pour trouver des solutions. Et comme le mentionnait Corinne tout à l'heure, il ne faut pas que ça nous empêche au moins de classer les collections, de mieux les connaître. Il ne faut pas que ça reste effectivement une friche, en fait, ces collections iconographiques. Parce qu'ils sont très demandés par nos lecteurs. Et bien souvent, quand on ne les a pas traités, on répond qu'on ne les a pas. Alors qu'on les a. Donc c'est une logique aussi de progresser. Et puis je pense qu'effectivement, on va, via l'étude qu'on a annoncée et puis via effectivement des solutions techniques qui existent, on va sans doute effectivement... Il ne faut pas que ça freine en tout cas
le travail effectivement sur les fonds iconographiques. En tout cas, c'est le message qu'on va vous faire passer dans la table ronde de cet après-midi, puisque des solutions existent et ont pu être déjà mises en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va poursuivre. On a encore un peu de temps. C'est vrai que le fait que les exposés ont été très ramassés permet de continuer les discussions. Aurélie Bosque, Aix-en-Provence. Pour continuer dans cette voie, il me semble qu'il y a encore une troisième voie, justement. En tout cas, c'est celle que pour laquelle nous avons opté à Aix. C'est de décrire ces documents directement dans l'outil qui permet de les diffuser dans la bibliothèque numérique, et en l'occurrence, de les décrire directement en Dublin Core, ce qui permet aussi d'être interopérable avec Gallica, et donc de ne plus hésiter entre Unimark et l'EAD, et d'avoir aussi sous la main, depuis un certain temps, donc même avant Tapir, d'avoir des outils qui permettaient de décrire ces documents. Alors certes, de façon plus succincte, on l'a vu avec l'exemple du département des Estampes, de manière plus succincte qu'on pourrait le faire par ailleurs, mais néanmoins très efficace pour le public. Donc, je pense que nous ne sommes pas les seuls à utiliser ces systèmes. Tout à fait. Merci Aurélie. Bonjour, à l'ABM de Nice, en fait, on catalogue donc au niveau du CCFR dans Tapir, donc il y a une injection qui est faite au niveau des notices, et ensuite c'est directement rebasculé, donc c'est catalogué en EAD, et ensuite c'est injecté dans Syracuse, donc dans lequel il y a un module EAD qui permet à nouveau dans le module archive de retrouver ce qui a été mis dans Tapir. Et ensuite, on raccroche le document primaire, ce qui permet d'avoir également, au niveau du CCFR, la passerelle des deux côtés avec, du coup, le document primaire qui est visible au CCFR via le module EAD du logiciel. Quoi, voilà. Pour le public, il s'y retrouve de la même façon des deux côtés et il y a en fait la même visibilité, que ce soit au CCFR ou sur la base numérique de la bibliothèque de Nice et via une seule saisie, avec à la fois la description et le document primaire. Y a-t-il d'autres questions ou retours d'expérience, hein? C'est intéressant de les collecter. Bonjour, Johanna Daniel de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Donc moi, je vais prendre la casquette du public visé en tant que chercheuse en histoire de l'estampe. J'essaye de repérer des fonds d'estampe 18e dans les collections hors de la BNF, donc principalement en région, parce qu'il y a, pour les citer, à Nancy et Dijon, des très 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 beaux fonds, très prometteurs pour comprendre les collections d'estampes telles qu'elles ont pu être constituées au XVIIIe siècle. Et la grande difficulté, en fait, c'est qu'on n'a pas d'outils en tant que chercheur pour repérer où sont les gisements. La grande entreprise du patrimoine des bibliothèques françaises, malheureusement, consacre une ligne généralement aux estampes pour dire qu'il y en a beaucoup, avec les photos et le reste. Dans le CCFR, c'est aussi très peu traité et c'est un manque. Et moi, ma demande en tant que lectrice chercheuse, c'est signaler sur vos sites internet, même très grossièrement, ce que vous avez, mettez les noms. Souvent, on manque en fait juste d'un panorama de ce qu'il y a, même si ce n'est pas catalogué derrière, c'est de ça dont on a besoin. Mettez les PDF, même si votre inventaire il n'est pas complet, il est vieux, c'est juste un tableur Excel où en fait il y a que dans cette pochette il y en a 90 vues de, je sais pas moi, Blois. Ça nous intéresse, c'est un super point de départ pour qu'ensuite on puisse vous contacter. Et puis n'hésitez pas à le mettre dans vos fiches Wikipédia. Mettez à jour vos pages Wikipédia, parce que c'est aussi par là qu'on passe pour connaître les collections existantes. Et un dernier point, moi en tant que chercheuse qui cherchais partout des vues d'optique, d'ailleurs si vous avez des vues d'optique, dites-le moi. J'ai arrêté de les collecter, j'en ai 15 000, mais j'aime bien savoir dans quelle bibliothèque il y en a. Je suis beaucoup passée par les grandes plateformes, notamment Europeana et aussi par Wikipédia, en repérant que telle bibliothèque en avait versé une, et en fait, en tirant le fil, on trouve que derrière, il y a une collection de 150 vues d'optique. Donc, ces outils-là, c'est aussi une manière de disséminer qui peut être utile pour que des chercheurs et chercheuses s'intéressent à vos collections et ensuite les explorent. Et j'espère que cette enquête, elle aura lieu. Alors, les vues d'optique, on en a au MUCEM. Voilà.
Aussi, oui. Alors, oui, excusez-moi, donc Alexandre Chautan, BNF CCFR, juste pour apporter peut-être un premier élément de réponse à la question que vous posez, en fait, à la remarque que vous faites sur l'absence d'outils. Donc, on a parlé de la base patrimoine où, effectivement, on a dit que l'image fixe était sous-représentée par rapport à la réalité des collections des bibliothèques, mais j'attire votre attention sur le répertoire des bibliothèques et des fonds, et ce répertoire est effectivement aussi un élément très important du CCFR, et c'est un premier niveau de signalement qui est très très important, parce que cela permet effectivement de mentionner l'existence de fonds d'images, de les décrire, de mettre effectivement aussi des liens vers des inventaires en PDF ou autres qui peuvent être mis en ligne par les bibliothèques. Et donc, il ne faut effectivement pas négliger dans un premier temps ce premier outil de signalement qui peut être très, très, très utile. Juste une petite info sur les recensements de fonds comme ça, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont dû recevoir la demande de la Société française de photographie qui lance Iconos pour essayer justement de pallier au moins pour la photo à cette lacune de répertoire commun. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que beaucoup de vos institutions ont reçu cette demande? Alors, j'ai pas en tête exactement ni le nom de la personne qui contacte pour ça, mais c'est la Société française de photographie en partenariat avec l'INHA, je crois, de mémoire, hein, parce que j'ai revu ce mail il y a quelques temps. Ils ont fait une relance pour qu'on remplisse des fiches signalétiques de nos fonds et qui ensuite vont servir apparemment à récolter, à faire une moisson dans les différents catalogues de ces institutions qui se seront signalées et qui auront décrit sommairement leur fonds photographique uniquement. Alors, c'est pas passé sur Bibliopath, ouais. J'ai pas fait le. Je transférerai le contact et le mail. Je pense pas être la seule à avoir reçu ça quand même. Non, ça fait écho. Hein. Je voyais dans la salle effectivement pas mal de collègues, y compris Julien, qui confirmait effectivement que le message avait été reçu. Oui, non, c'était juste pour dire qu'effectivement, vous n'étiez pas seul, on l'a reçu à Orléans, on a reçu les relances. Après, pour notre part, la difficulté, c'est de dire à part, oui, on a des photos, souvent elles sont dispersées dans nos fonds. Voilà, donc on a du mal à dépasser le premier stade de signalement. Et comme ce n'est pas dans les priorités, puisqu'on a aussi tout le reste, d'ici 2025, voilà, donc, pour le moment, on n'est pas allé au-delà. La première étape, c'est remplir une fiche signalétique. Donc, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Voilà. Après, nous, ce qui est bloquant, c'est que la fiche signalétique, on veut bien la remplir. Mais la deuxième étape, ça consiste quasiment à refaire tout le travail qu'on a commencé à faire dans Calam. Donc, c'est vrai que là, on bloque un petit peu parce qu'on trouve justement qu'on retombe dans les ornières précédentes, c'est-à-dire de repartir sur différents outils. Mais quel sera l'avenir de cet outil? Est-ce qu'il sera utilisé par la profession? Est-ce que ça sera rentable de s'y investir? Mais c'est vrai que c'est louable comme initiative. En fin de compte, on revient sur la notion de recensement. Donc, est-ce que tout le monde a le temps, les moyens? Je pense que déjà, j'ai tout de suite un nom derrière moi. Le temps, les moyens de se lancer dans ce recensement immédiat. Après, je pense que tout se planifie. C'est vrai que c'est intéressant de se dire, bon, à court terme, à moyen terme et à long terme, où on se place et comment on veut se placer et comment on veut se positionner. Et ça, c'est collectif. C'est vraiment un engagement qui nous est commun. Donc, après ce fameux signalement et ce plan de signalement du patrimoine écrit, c'est vrai que l'iconographie, on ne pourra pas passer à côté. D'autant plus qu'il y aura des interconnexions de plus en plus. Il y a des croisements quand même dans toutes nos collections. Donc on ne pourra pas passer à côté. C'est savoir après qu'est-ce qu'on décide de faire et même si on utilise des formats différents. Parce que si on s'arrête toujours... Bon, 50% fait de l'aide, un peu moins, fait un peu plus de... Qu'est-ce qu'on fait au-delà du format? On est d'accord, hein, je crois que ça fait consensus. Oui. Et donc là, on vient d'évoquer les questions de catalogage. Je voulais revenir sur la question de l'indexation,
puisque Corinne, dans sa présentation, effectivement, évoquait les différents types d'indexation possibles, indexation iconographique, indexation sujet. Je ne sais plus qui posait la question des thésaurus, et c'est vrai que là, on rentre vraiment dans des affaires de spécialistes entre les thésaurus de bibliothèque type rameau, les thésaurus de chercheurs, puisque certains laboratoires ont leur propre thésaurus, très spécialisé, soit selon les types d'images, de périodes chronologiques, etc. Alors ma question, c'était, là je me retourne vers la BNF, puisque demain nous aurons une présentation de la base Mandragore, donc pour les manuscrits enluminés de la BNF. Corinne, tu évoquais tout à l'heure le travail d'indexation mené sur les fonds des estampes. Est-ce que déjà au sein de l'établissement, vous avez réussi à essayer d'échanger, de trouver une voie commune d'indexation sur ces deux types de documents ou pas ? Non, effectivement, là, les personnes qui travaillent dans le catalogue général Intermarx et Rameau, mais je l'ai dit tout à l'heure, on a été amenés à développer d'autres référentiels. Donc Mandragore, c'est Garnier. Il y a aussi, par exemple, toute la question du vocabulaire géographique. Il y a les noms géos dans Rameau, mais le département des cartes et plans a développé sa propre indexation géographique qui, normalement, devrait se trouver réunie grâce au code lieu dans le cadre de la transition bibliographique. Donc même à l'intérieur de la Bibliothèque nationale, on voit qu'en fait, un vocabulaire généraliste comme Rameau a du mal à répondre à la question d'indexation de l'image. Je pense que c'est ça la conclusion qu'il faut en tirer. Pour apporter une précision, donc effectivement, il y a un historique lourd à la BNF où chaque base s'est un peu développée avec sa spécificité, avec en adaptant des vocabulaires génériques, mais à la spécificité des supports. À l'occasion de la refonte du site Mandragore, on a essayé quand même de se rapprocher des autres départements de la BNF qui conservent des sources iconographiques. Un petit peu les estampes, mais beaucoup le département de la réserve des livres rares, où il y a une base qui est en local, pas encore en ligne, mais qui décrit les bois gravés des incunables conservés à la BNF, qui a son vocabulaire propre, et on a travaillé à un alignement des thésaurus et un alignement de ces deux thésaurus avec les autorités BNF. Donc il y a quand même un travail qui est amorcé, mais qui est gigantesque en réalité, même à l'échelle d'un seul établissement. Il n'y a pas d'autres questions, sachant qu'on recommencera les travaux demain matin et qu'il y a... Ah, peut-être, non ? C'est bon. Donc, on vous propose effectivement de clore cette séance en remerciant vraiment tous les intervenants, hein, que ce soit Corinne et tous les intervenants à la séance. Et je vais céder la parole à Aurélie, l'organisatrice, effectivement, des logistiques des visites. Très bien. Oui, bonjour à tous. Aurélie Bosque, je suis actuellement la directrice par intérim du réseau des bibliothèques et archives de la ville d'Aix-en-Provence. Donc, je voulais vous remercier tous et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir à Aix-en-Provence, puisque tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'aller visiter notre très belle ville. Et aussi, pour certains d'entre vous, peut-être pour tous même, j'espère, aujourd'hui et demain, nos bibliothèques, dont je voulais vous dire deux mots tout de même. D'abord parce qu'en 2020, nous avons ouvert un nouveau site, une bibliothèque patrimoniale, qui a la particularité d'être aussi un site qui rassemble sur le même lieu les archives municipales. C'est une situation assez rare pour les bibliothèques d'avoir dans une même direction le service des archives municipales. Et l'autre particularité également qui est liée à l'histoire de la bibliothèque, c'est que cette bibliothèque, ses collections, ce ne sont pas des confiscations révolutionnaires comme dans la plupart des cas de bibliothèques municipales classées, mais sont le fruit du legs du marquis de Méjane aux États de Provence en 1786. Et cette bibliothèque doit sa notoriété à ses collections tout à fait remarquables que vous pourrez découvrir tout à l'heure pour certains d'entre vous. Je voulais aussi dire deux mots sur les projets de signalement dans lesquels nous sommes engagés, hein, puisque nous avons depuis quelques années déjà
entamé de grands projets de signalement de fonds, et notamment à l'occasion du déménagement de cette bibliothèque patrimoniale qui était auparavant sur le même site que la bibliothèque publique. Et nous avons eu l'opportunité à ce moment-là de lancer un grand chantier de catalogage des imprimés. Et depuis très peu de temps, je crois quelques semaines seulement, ce chantier qui a eu lieu pourtant il y a plusieurs années est maintenant en ligne sur le CCFR, puisque nous avons, après un précédent chargement qui datait d'il y a une douzaine d'années, fait un nouveau chargement qui a permis de mettre en ligne à peu près 40 000 nouvelles notices. Donc c'est tout à fait important par rapport au volume qui est décrit dans le CCFR, et puis une mise à jour aussi du répertoire des fonds. Nous sommes de bons élèves de ce côté-là. Moins bons élèves côté description des manuscrits, hein, puisque la grosse barre orange en PACA, elle est malheureusement sûrement due aux grandes quantités qui restent à traiter à la bibliothèque Méjeanne. Nous avons en effet des centaines de mètres linéaires de manuscrits et de fonds d'archives qui sont en attente de traitement, mais nous prenons le taureau par les cornes, si je puis dire, et grâce au soutien du ministère et à l'ARL aussi, dont nous lançons cette année, nous espérons, puisque nous attendons la réponse, dans un projet de signalement via le PAP. Et puis, autre grand projet pour la ville d'Aix-en-Provence, c'est la rénovation de sa bibliothèque de lecture publique, qui s'appelle désormais la bibliothèque Méjeanne Allumettes, que peut-être vous avez déjà eu la curiosité d'aller visiter, puisqu'elle est juste en face, j'espère que vous l'aviez remarqué, que vous êtes ici dans un bâtiment qui fait face à un autre bâtiment qui abrite notre bibliothèque de lecture publique. Donc allez y jeter un œil, si vous le souhaitez. Et donc la ville s'engage à partir de cette année, puisque le chantier va commencer dès le mois de septembre, dans de très importants travaux de rénovation de ce site, travaux très largement soutenus par l'État, qui en feront une bibliothèque plus adaptée aux attentes des publics, puisque la dernière rénovation de cette bibliothèque était en fait l'aménagement de cette bibliothèque dans ce site qui est une ancienne manufacture d'allumettes dans les années 90. Donc il y avait besoin d'une rénovation et d'une adaptation aux nouveaux usages. Cette bibliothèque, nous voulons en faire un lieu à vivre, une bibliothèque où on pourra vivre une expérience culturelle et intergénérationnelle. C'est ce projet que je présenterai à ceux qui feront la visite tout à l'heure. Mais sachez également que là, sur les temps de pause, hein, vous pouvez tout à fait traverser la rue et aller voir cette bibliothèque qui est donc en attente de rénovation, hein, donc soyez indulgents, donc qui est ouverte de 10h à 19h. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire aux visites de la bibliothèque patrimoniale Michel Vauvel, sachez également qu'elle est ouverte au public de 13h à 18h. Pour ceux même qui seraient encore présents samedi, nous sommes tout à fait disponibles à vous accueillir aussi en dehors de la visite qui est faite aujourd'hui, si vous voulez revenir. Y compris le samedi matin, on sera ravis de vous accueillir. Venez nous voir si vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère vous accueillir tout à l'heure ou vous croiser un autre moment. Et puis je laisse la parole à Aurélie également pour la suite de l'organisation pratique. Alors, très rapidement, un petit point logistique et technique. Je suis assignée au point logistique et technique. Donc, vous avez tous un badge, comme on vous a expliqué ce matin, avec une petite pastille qui fait référence à une visite pour laquelle vous êtes inscrit. Vous avez des plans qui sont situés dans l'ensemble de l'amphithéâtre. Et donc, il y a des points de ralliement par couleur, en fonction de votre pastille. Et vous avez jusqu'à 17h30 pour vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ici, juste en face, vous avez deux panneaux, un orange, un jaune. Ce sont les visites de la ville, la visite architecturale. Sur le côté, vous avez écrit en gros Cézanne. Donc là, c'est la visite sur les pas de Cézanne et sa couleur est rose. Vous allez emprunter le sas que vous avez emprunté lors du déjeuner.